Goedenavond. In ons vorige programma hebben wij vooral aandacht besteed aan de verhoudingen tussen koning Leopold en Hitler tijdens de eerste bezettingsmaanden. De ontmoeting van beide staatshoofden de 19e november 40 te Berchtesgade was hiervan een voorlopig eindpunt. Het gesprek leverde in feite niets op, of toch iets. Hitler beloofde dat hij niet aan de Belgische dynastie zou raken. Maar in zaken het politieke lot van België in een door Duitsland gedomineerd Europa werd de koning niets wijzer. Vandaag zullen wij het eerst hebben over de binnenlandse politiek van Laeken. Hield de koning rekening met de mogelijkheid van een nieuwe politieke en sociale orde voor België? Waarom onderhielden leden van de omgeving van de koning tot diep in de bezetting contacten met vooraanstaanden uit de collaboratie? In welke mate vertolkte zij de opvattingen van de koning? Heeft de koning inderdaad op twee paarden gespeeld, zoals nog steeds door sommigen wordt aangevoerd? Op deze vragen zullen wij in het eerste deel van ons programma een verantwoord en zo evenwichtig mogelijk antwoord trachten te geven. In het tweede deel keren wij terug naar de verhouding tussen de koning en de Belgische regering Pierlot, die zich te Londen had gereorganiseerd. In weerwil van de toenaderingspogingen van de regering is koning Leopold deze regering de hele bezetting door blijven negeren. Bovendien stelde hij in januari 1944 zijn zogeheten politiek testament op, waarin wel het meest opvalt dat hij nog voor de geallieerden, nog voor de Belgische regering, nog voor het verzet één enkel woord van dank over had. Deze houding zal de vorst tijdens de naoorlogse koningskwestie door niet weinigen zeer kwalijk worden genomen. Omdat koning Leopold tot zijn wegvoering naar Duitsland de 7 juni 1944 aan een rechtlijnige neutraliteitspolitiek is blijven vasthouden, hebben wij dit programma tot het bittere einde betiteld. De zware verwijten die de tegenstanders van Leopold III hem in de loop van de naoorlogse koningskwestie hebben toegestuurd, betreffen evenwel niet alleen zijn reis naar Berchtesgade. Ook, en misschien vooral, dat de vorst zich eveneens met binnenlandse politieke aangelegenheden heeft ingelaten en niet het minst met vertegenwoordigers van de nieuwe orde. We zijn ons ervan bewust dat een onderzoek in zaken de door de koning gevoerde binnenlandse politiek al even delicaat is als zijn optreden op buitenlands vlak. Maar na rijp overleg is gebleken dat wij dit onderwerp niet kunnen en niet mogen uit de weg gaan. C'est votre opinion que le roi aurait effectivement n'aurait pas fait de la politique pendant la guerre, ne serait pas occupé de politique pendant Mais la guerre. Si le roi n'avait pas fait de politique pendant la guerre, il aurait manqué à tous ses devoirs. À quoi qu'est-ce que c'est ouais, un ça roi veut dire qu'il s'est occupé de faire de la politique, par exemple sur le plan intérieur. Mais bien entendu, comment Oui, mais à quoi sert un roi sinon à s'occuper de politique? Il était prisonnier, mais c'était une position théorique. Il pouvait aller, venir, circuler et recevoir les gens tant qu'il voulait. Il est bien clair que son devoir le plus strict, c'était de s'occuper de ces sujets et de savoir comment on pouvait le mieux les tirer de ces conditions dans lesquelles il se trouvait. Bien sûr qu'il a fait de la politique et il a eu bien raison d'en faire. Et je regrette beaucoup qu'il ne se soit pas expliqué tout à fait franchement. C'est que le comte Capel n'a fait que répéter que le roi n'a jamais fait de la politique pendant la guerre. Oui, c'est une réponse de secrétaire. C'est pas votre avis. Tous les diplomates savent qu'on emploie des théories, des formules globales pour essayer de présenter une situation et que derrière ces formules, il y a des réalités et ces réalités sont absolument différentes. D'ailleurs, oui. Le roi ne s'est jamais caché, je crois,
d'avoir reçu un tas de gens. Et de quoi pouvait-il parler avec ces gens? Certainement pas de jouer au golf. Le comte Capel a tout le temps répété, à plusieurs occasions, que le roi ne s'est jamais occupé de politique. Vous dites que ce n'est pas vrai. Donc ce qu'il a dit est contraire à la vérité. Bien entendu, il a dit cela après la guerre, dans des conditions où il fallait présenter ça, les choses de la façon la moins compromettante possible. Et c'était la meilleure façon de s'en tirer, et pensait-il, de dire il n'a rien fait du tout, mais il est bien clair qu'il avait fait quelque chose, et s'il n'avait rien fait, il aurait manqué à tous ses devoirs. Dès votre retour de France, fin juillet, début août 40, après votre déportation par les autorités belges en mai 40, vous avez demandé d'être reçu par le roi. Au lieu de vous recevoir lui-même, il vous a envoyé son secrétaire Capel. Vous l'avez rencontré le 21 août chez Pierre D. Capel était chargé par le roi de vous faire une communication, étant donné que lui-même, étant prisonnier, ne pouvait pas la faire. Selon Pierre D, cette communication était la suivante. Desgrelles a tout l'estime et la sympathie du roi, qui le verra dès que les circonstances changeront. On parle de celle-ci, des effets que peut avoir le voyage de Demann à Berlin et du statut de la Belgique. Cette version de Pierre D correspond-elle à la vérité? Oui. Elle est exacte, mais assez incomplète. Quand j'ai été arrêté, il est évident que mon arrestation était inconstitutionnelle. J'étais député, je n'avais pas le droit d'être arrêté. C'était quelque chose de scandaleux. Il n'y avait absolument rien contre moi. On m'a fait endurer un martyr épouvantable. J'ai été blessé, j'ai eu des centaines de blessures, j'ai eu 10 dents cassées. Et j'ai failli être assassiné à Beville avec nos camarades Rexis et nos camarades flamands, notamment Van Severen. Alors quand je suis revenu, n'étant tout de même pas mort, je n'avais plus envie de me lancer dans une aventure sans être sûr que le roi me couvrait. Et c'est alors que j'ai voulu le revoir. Il ne pouvait voir personne. Bon, c'était d'ailleurs pas exact, il a vu des gens. Qui pensez-vous maintenant? Par exemple, Schoffen. Schoffen, chef des démocrates chrétiens, ancien ministre, était reçu. D'autres, Lippens a été reçu. D'autres ont été reçus, ils le cachaient, mais c'était comme ça. Et alors, il m'a donc envoyé Capel. De ça, d'ailleurs, il y a un compte-rendu que j'ai publié, voilà, très longtemps, et qui n'a jamais été mis en doute, qui va beaucoup plus loin que ce que vous dites. On a jeté les bases d'une collaboration complète. Je n'ai accepté de faire reparaître mon journal que sur sa demande. Sans ça, je ne l'aurais pas fait reparaître. Tous les journaux étaient reparus, sauf le mien. Je ne voulais pas m'engager dans la collaboration si je n'étais pas sûr que ça correspondait exactement, non pas la vie du roi, mais du chef de l'État, le chef constitutionnel de l'État. Et c'était ça, notre entrevue, qui était d'ailleurs décisive. Sans ces consignes transmises par le comte Capel, le baron Capel à cette époque, je ne me serais pas engagé dans l'affaire, ça me dégoûtait assez bien, parce que je voyais que c'était très mal à manger. Het leidt geen twijfel dat de Grelle hier een lange loop met de werkelijkheid neemt. De wijze waarop hij zijn hele verder optreden tijdens de bezetting, beter gezegd, zijn collaboratie met de bezetter, aan de beslissende invloed van graaf Capelle en dus aan de koning toeschrijft, is al te goedkoop. Overigens is het volstrekt onjuist dat de Grelle, zoals hij verklaart, op een nadrukkelijk verzoek van Capelle zou gewacht hebben om zijn dagblad Le Pays Réel tijdens de bezetting opnieuw te laten verschijnen. Het eerste oorlogsnummer verscheen weliswaar de 24 augustus 40, 3 dagen nadat hij Capelle had ontmoet. Maar niets wijst erop dat tussen dit gesprek en de wederuitgave van het blad een oorzakelijk verband bestaat. Wel in tegendeel. Nog voor het einde van de 18-daagse veldtocht hadden familieleden van de Grelle in diens afwezigheid de Duitsers reeds om toestemming voor wederuitgave verzocht. Een toestemming die de 31 juli 1940 werd verleend. Precies op die dag keerde de Grelle uit Franse gevangenschap te Brussel terug. Tijdens de allereerste dagen van augustus 40, nog voor de Grelle wist of de koning de door de Grelle gevraagde audiëntie wel zou toestaan, sprak de Rijksleider tegenover de Duitsers de wens uit Le Soir en het laatste nieuws onder controle te krijgen
twee bladen die een veel groter publiek bereikten dan Le Pays Réel ooit kon vinden. Op deze wens gingen de Duitsers evenwel niet in. Het ligt bijgevolg veel meer voor de hand dat de Grelle zich ongetwijfeld tegen zijn zin met Le Pays Réel heeft moeten tevreden stellen toen hem duidelijk was geworden dat zijn ambitie op persgebied bij de Duitsers al te hoog reikte. Niettemin blijft het een feit dat de koning zijn secretaris naar de Grelle stuurde en hem zo in feite via een tussenpersoon een audiëntie verleende. Even opvallend is het feit dat de koning in diezelfde periode een boodschapper van de regering Pierlot weigerde te ontvangen en aldus Pierlot en zijn ploeg nogmaals met een hele kluit in het riet stuurde. De koning stelde dus toen prijs erop een contact met de Grelle te onderhouden. Het staat vast dat de 21ste augustus 40 tussen de Grelle en Capelle onder meer over het politiek lot van België na een Duitse overwinning werd gesproken. Maar uit het wel erg beknot verslag dat Capelle na het gesprek opstelde en dat eveneens enig voorbehoud vraagt, blijkt enkel dat de koning een afwachtende houding aannam. Hij wachtte immers op een antwoord van Hitler op zijn eigen verzoek om een politiek gesprek met de Führer. Tevens blijkt uit Capelles verslag dat de koning elke openbare actie in samenwerking met de bezetter voorbarig vond. Het wel zeer uitvoerig verslag van het gesprek dat de Grelle 10 jaar later in La Cohue de 40 heeft gepubliceerd, lijkt inderdaad een aansporing tot collaboratie vanwege Capelle. Maar er is geen enkel bewijs dat de Grelle dit verslag onmiddellijk na het gesprek opstelde en het wijkt zo aanzienlijk van de versie van Capelle af dat de Grelle het wel moet aangedikt hebben. Overigens werd de Grelles verslag, in strijd met hetgeen hij daarnet beweerde, wel door iemand in twijfel getrokken, namelijk door Capelle zelf, die in zijn memoires de nadruk erop legde dat geen stenografisch verslag van het gesprek door een derde werd opgenomen. En we weten intussen allen dat de Grelle niet alleen een geboren verteller is, maar vooral een bijzonder rijke verbeelding heeft. Maar niet alles bij de Grelle is louter verbeelding. Tijdens die wondere zomer van 40 werd er niet enkel door de koning, maar ook nog door andere vooraanstaande als een bruikbare pion beschouwd om hun eigen positie tegenover de bezetter te versterken. In welke mate heeft Leopold III na de capitulatie rekening gehouden met de nieuwe orde? L'ordre nouveau, c'est évidemment une expression un peu vague, mais qui traduit chez un certain nombre de Belges, surtout dans les classes dirigeantes, au cours de l'été 1940, le sentiment que la défaite épouvantable de mai-juin a prouvé l'impuissance du régime démocratique tel qu'il était pratiqué jusqu'alors, et la nécessité de créer du nouveau régime avec plus d'autorité, de virilité, de hiérarchie dans les pouvoirs. Et il est évident que ce sentiment a été celui de certain nombre de Belges des classes dirigeantes. Est-ce que Léopold III a été parmi eux? Je crois qu'à cet égard, on dispose de certains indices qui sont assez sûrs. Et le principal d'entre eux, c'est les contacts prolongés et confiants, semble-t-il, que le roi a eu avec Henri de Man. Uit de nota van Hendrik de Man van de 3 november 1941, die uitsluitend voor de koning en zeker niet voor publicatie was bestemd, blijkt hoe groot de politieke invloed van de man op koning Leopold wel was. Volgens de man heeft hij zelf de koning tijdens de zomer van 40 ervan overtuigd dat het beter zou zijn de troon te verzaken dan naar het oude, vooroorlogse regime terug te keren. De nota van de man bevat tevens heel wat kritiek op de omgeving van de koning. Volgens de man wilde die omgeving toen, november 41, laten uitschijnen dat de koning in overeenstemming met de Belgische regering te Londen handelde en enkel nog op een Engelse overwinning mikte. Twee beweringen die volgens de man volstrekt onjuist waren. En de man kon het weten, want in tegenstelling tot hetgeen leden van de omgeving van de koning na de oorlog hebben beweerd, was de man tijdens de zomer van 40 bij de koning
niet in ongenade gevallen. Tot november 1941 zag hij de koning zeer geregeld. Zo begaf de man zich, bij wijze van voorbeeld, enkel al in de maand maart 1941, niet minder dan 19 maal naar Laken. Na april 1941 nam de frequentie weliswaar af, maar in juli 1941 ondernam de man in opdracht van de koning nog een dienstreis naar Parijs en Lyon. En nochtans was Hendrik de Man ongetwijfeld een man van de nieuwe orde. Henri de Man était avant la guerre le président du Parti socialiste, qui s'appelait le POB, le Parti ouvrier belge. Il a en juin 1940 dissous le parti dont il était président, et il l'a fait dans un manifeste qui est non seulement un abandon de l'ancien parti, mais un hymne à l'ordre nouveau, considéré comme un ordre libérateur. Et ce manifeste, des témoignages vraiment sûrs paraissent l'attester, Léopold III l'a lu, et il n'y a pas fait d'objection. Hoezeer dit manifest van Hendrik de Man van de 28e juni 1940 nogthans een nieuwe ordentekst was, mogen uit volgende uitreksels blijken, we halen best aan. De oorlog is uitgelopen op de ineenstorting van het parlementair stelsel en van de kapitalistische geldheerschappij in de zogenaamde democratische landen. Verre van een ramp te zijn, is deze ineenstorting van een vermolmde wereld voor de werkende klasse en voor het socialisme een verlossing. Gelooft evenwel niet dat er weerstand moet geboden worden tegen de bezettende macht. Aanvaardt het feit van haar overwinning en beproeft veeleer er de lessen uit te trekken, om daarvan een uitgangspunt te maken voor nieuwe sociale vooruitgang. De vrede kon niet ontstaan uit een regime dat zich democratisch noemde. Die vrede kan wel ontstaan uit een regime waarin het gezag van de staat sterk genoeg is om de voorrechten van de bezittende klassen op te heffen en de werkloosheid te vervangen door algemene arbeidsplicht. Maakt u gereed om de kaders te vervoegen van een beweging van nationale heropstanding die alle levende krachten van de natie, van haar jeugd, van haar oud-strijders zal samenvatten in één enkele partij, die van het Belgisch volk, verenigd door zijn trouw aan zijn koning en door zijn wil de arbeid te doen heersen. Einde van de aanhaling. Op de houding van Hendrik de Man en zijn aanhangers tijdens de bezetting komen wij in een afzonderlijk programma nog uitvoeriger terug. Hier hebben we enkel willen wijzen op de enge samenwerking die bij het begin van de bezetting tussen Hendrik de Man en koning Leopold heeft bestaan. Heeft hij dus die tekst, dat manifest, of dat ontwerp van manifest van de Man niet verbeterd? C'est ce que de Man dit, que le roi y a apporté certaines corrections, mais enfin... L'essentiel, c'est que le roi a certainement vu le texte et n'y a pas fait d'objection fondamentale. D'autre part, à la même époque, de Man soumet au roi, à sa demande, semble-t-il, un programme pour la réorganisation politique de la Belgique. Et là, avec plus de précision que dans le manifeste, on ébauche... Et dit texte n'est nooit gepubliceerd. Ah non, non, le manifeste a été publié dans la presse, tandis que ce programme, lui... On l'a retrouvé dans les papiers de Henri de Man. Et c'est un programme de réorganisation où vraiment, là, c'est l'ordre nouveau en plein. Je vous en cite, si vous voulez, deux extraits. Il s'agit, dit de Man, de la suppression des partis par des institutions consultatives à base corporative, etc., etc. Laten we résumeren, één syndicaat, één jeugdbeweging. C'est ça, c'est ça. Mais je ne veux pas dire par là que lorsque de Man soumet ses idées au roi, celui-ci applaudit à tout ce qu'on lui suggère, il n'y a aucune preuve dans ce sens, mais il est évident que le fait que le roi, après avoir reçu ces textes, continue à rencontrer de Man, à entretenir des relations... apparemment confiante avec lui, indique qu'il y a entre de Man et lui certains atomes crochus que le roi songe lui aussi à des institutions nouvelles dans le sens malgré tout que nous venons d'ébaucher. Bij het nagaan van de zogenaamde politiek van Laken op binnenlands vlak moet gewezen worden op de zeer belangrijke rol die twee van 's konings voornaamste medewerkers hebben gespeeld. Het betreft hier de kabinetchef van de koning,
baron Louis Frédéric, maar vooral zijn secretaris, graaf Robert Capelle, wiens optreden in de naoorlogse koningskwestie beslissend is geweest. Ce qui est aussi révélateur, c'est que le secrétaire du roi, le comte Capelle, reçoit une foule de gens. Il s'informe au nom du souverain. L'éventail de ceux qu'il rencontre est très vaste. Ça comprend de Grèce, ça comprend les gens du VNV, ça comprend d'autres gens aussi très civiques, bien sûr. Mais à certains, Capelle, de toute évidence, prodigue certains encouragements. Et notamment lorsqu'il rencontre à l'automne de 1940 Robert Poulet, qui était un journaliste déjà connu avant la guerre et qui lui fait part de son intention d'assumer la direction politique d'un nouveau journal qui s'appellera d'ailleurs Le Nouveau Journal. Et il est évident que le programme de ce nouveau journal, c'est un programme de collaboration en partie, mais aussi surtout d'ordre nouveau. Poulet s'entend dire par Capelle que, aux yeux de ce dernier, il fait œuvre patriotique. Capelle note cela dans son procès-verbal et il communique ce procès-verbal de l'entretien avec Poulet au roi. Et le roi sait donc que son secrétaire, qui a tout de même une certaine intimité intellectuelle avec lui, a encouragé en quelque sorte Poulet. Il y a donc là un certain nombre d'indices qui montrent un Léopold III songeant incontestablement à des institutions nouvelles pour la Belgique. De thans 88-jarige journaliste en schrijver Robert Poulet, die te Parijs verblijft, was in 1418 oorlogsvrijwilliger. Hij maakte toen als officier onder meer deel uit van een uitroeiingspatrouille, waarvan de leden bijzonder handig waren in het hanteren van messen bij nachtelijke overvallen op de vijand. En in het Frans elegant de nettoyeur de tranchées werden genoemd. Na de Eerste Wereldoorlog maakte hij naam in de literatuur en werd een door velen gewaardeerd journalist bij het conservatieve dagblad La Nation Belge. Tijdens de vlucht in Frankrijk ontving hij vanwege eerste minister Pierlot een schriftelijke aanmoediging om na zijn terugkeer in België aan dagbladen mee te werken die niet al te zeer aan de Duitsers zouden onderworpen zijn. Poulet meende zulke krant in Le Nouveau Journal te vinden, maar dan als niet minder dan politiek directeur en hoofdredacteur. De krijgsauditeurs na de oorlog zouden van een heel andere mening zijn. Les principes que je considérais comme essentiels, je les ai dit souvent, mais je n'ai pas de raison de ne pas les répéter. Je disais ceci, l'essentiel pour nous, c'est l'intégrité et l'indépendance de la Belgique. C'est le maintien de la monarchie avec la dynastie qu'ils y trouvent en ce moment, c'est le respect de conditions chrétiennes qui sont le caractère essentiel ou général de la civilisation occidentale, et c'est enfin une certaine adhésion à la justice sociale. C'était des principes essentiels dont on ne devait pas s'écarter. Et j'ai répété plusieurs fois que si on s'écartait de ces principes, je m'en irais. Je ne pouvais pas admettre que l'on puisse sortir de ce cadre. Maar alvorens het blad verscheen, wilde Poulet ook het advies van hoger hand. Niet zomaar een schriftelijke aanmoediging van de eerste minister zelf. Poulet mikte wel heel hoog. Hij wilde de goedkeuring van het allerhoogste gezag, koning Leopold. Maar zoals vele anderen geraakte hij niet verder dan 's konings trouwste dienaar, graaf Capelle. Je me suis adressé à un de mes amis personnels, qui était Gaston Pullings, directeur général de la questure du Sénat, et je lui ai demandé de immédiatement prendre contact avec les milieux du roi et de me faire savoir comment je pourrais avoir des instructions en vue d'une éventualité qui était envisagée. Gaston Pullings est allé et revenu en me disant: j'ai vu le comte Capelle, secrétaire de Léopold III, à qui j'ai exposé votre projet, parce que je lui avais donné toutes les indications concernant la politique
et les conditions dans lesquelles ça allait se dérouler, et le comte Capel vous donne sa pleine approbation, et vous savez ce que ça signifie. Je lui ai répondu que ça ne me suffisait pas, que deux intermédiaires étaient de trop, qu'il y en avait au moins un de trop, et que tant que je n'aurais pas dans mon oreille entendu les propos que vous venez de me répéter, je les tiendrais pour nuls et non avenus, quelle que fût la confiance que j'avais en ce garçon extrêmement honorable et sympathique. Le journal allait paraître, j'ai retenu mon article, je ne l'ai pas voulu le donner tant que je n'aurais pas ce dont j'avais besoin. À la dernière minute, on m'a dit, Gaston Pönic m'a dit, vous avez rendez-vous avec le comte Capel qui va vous dire comment on pourra s'y prendre pour garder le contact avec vous. C'est donc le dernier jour, le 30 septembre, veille du jour où le journal devait paraître et où il ne serait pas paru avec ma participation sans cette assurance que je voulais, que je suis allé voir le comte Capel et qu'il a été convenu avec lui de la façon dont se produirait la suite de nos conversations. Ces conversations qui devaient, je dis déjà, se répéter de trois en trois semaines environ. Il y en a eu une vingtaine. On a discuté de savoir si c'était 20 ou 21, mais enfin une vingtaine. Et la première de celles-ci a été, dès que j'ai eu exposé quel était le projet et quelle serait la conduite que j'allais mener dans ce journal, le comte Capel a prononcé la phrase suivante, « Vous faites œuvre patriotique ». Ensuite, il m'a exposé quels étaient les principes sur lesquels on pouvait s'appuyer dans cette situation très difficile où on se trouvait. Le comte Capel me donna donc deux principes sur lesquels se fondait l'attitude du roi, ou du moins son nom n'était pas prononcé, mais notre attitude, comme il disait, c'était les suivantes. La première phrase, c'était « Ne connaissons plus les gens de Londres ». Et la deuxième phrase, c'était « La guerre est finie pour nous ». Voilà les principes sur lesquels il présentait la situation à ce moment-là. Je suis donc rentré au journal et j'ai donné mon article, et c'est ainsi que le journal a commencé à paraître. De hele bezetting door verscheen Le Nouveau Journal met een gemiddelde oplage van 50.000 exemplaren per dag. Dit getal lag veel lager dan het oplagecijfer van de gestolen Le Soir, het meest gelezen gecensureerd dagblad in Franstalig België. Maar Le Nouveau Journal bereikte alleszins meer lezers dan het rexistische dagblad Le Pays Réel. Die krant van de Grelle trok weliswaar bij het begin van de bezetting op 65.000 exemplaren, maar kreeg reeds met ingang van 41 en tijdens de hele duur van de bezetting nog geen 10.000 exemplaren per dag meer verkocht. La phrase du comte Capel, vous faites œuvre patriotique, et qu'il vous a dit donc la veille de la publication du premier numéro du Nouveau Journal, cette phrase était-elle décisive pour vous? Elle était décisive. Sans ça, je n'aurais même pas commencé, je n'aurais même pas envisagé d'entrer au Nouveau Journal, ni en quelque journal que ce fût. Pourquoi le comte Capel reçoit-il Robert Poulet et d'autres personnalités de la collaboration? Parce que, à mon avis, à ce moment-là, et ceci est une opinion personnelle, mais je crois basée sur pas mal de témoignages, à ce moment-là, personne en Belgique, je dis personne, ne peut prévoir avec certitude que les Anglais et leurs futurs alliés gagneront la guerre. Personne. Vous êtes le roi de ce pays. Quel jeu allez-vous jouer? Aucun. Vous allez attendre. Vous allez mettre vos cartes de côté en disant « on verra bien comment ça va tourner ».
Mais vous n'allez pas commencer tout d'un coup à faire une politique de résistant à tout craint, qui serait aberrante. De résistant contre quoi, pourquoi? Vous ne savez rien prévoir à ce moment, rien. Et vous avez un secrétaire, et vous désirez, prisonnier comme vous êtes à Laeken, être bien informé de tout ce qui se dit, se passe et se circule comme bruit. Eh bien, vous faites recevoir tout le monde, plus ou moins important, par votre secrétaire. Après la guerre, 1944, soyons honnêtes et avec un peu d'humour, reconnaissant qu'en 1944, tous les Belges étaient résistants depuis le 10 mai 40, y compris ceux qui n'avaient jamais rien fait du tout. Et à ce moment-là, on a dit comment, Capel recevait des poulets et des gens pareils. Mais quelle honte, quelle infamie! Et il a servi de bouc émissaire, disons-le franchement, et excusez la crudité de mes termes, de bouc émissaire à de parfaits crétins. Quand il recevait poulets en 40-41 particulièrement, il ne pouvait pas prévoir quelle serait l'évolution future du nouveau journal où était Poulet, comment toutes ces choses tourneraient. Il ne pouvait pas le prévoir plus que vous ou moi. Mais pendant la guerre, oui. Le journal de Poulet était oui. quand même, alors nettement, un journal de collaboration. Bien sûr. C'était un journal de collaboration, mais dans, attention, dans cette collaboration, il y avait des degrés. Léon de Grelle cirait les bottes des nazis. Le nouveau journal, beaucoup moins quand même. Hein. Attention, il y avait des nuances. Mais quand même. Mais je suis d'accord avec vous, mais attention, prenez une collection du nouveau journal. Je fais de l'histoire ici. C'est ce qu'on a fait. Bien. Et remarquez un peu comme au début, ils ont une certaine indépendance de ton, et puis comme peu à peu, ils s'assujettissent davantage aux Allemands. Il y a une évolution très nette. Et en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, et là, avec certitude, c'est que jamais Léopold III lui-même n'a approuvé la création du nouveau journal. Et là, je c'est donne... ce que Poulet a toujours maintenu. C'est la thèse de Poulet, je respecte les opinions de Poulet, chacun les siennes. Mais moi, j'ai vécu quelque chose. À cette époque-là, Pierre D, qui était un grand ami d'un de mes oncles, me dit, voilà, vous êtes jeune historien, vous n'avez pas de métier, rien devant vous, nous sommes la guerre est finie et tout, pourquoi vous n'écririez pas des articles d'histoire dans le nouveau journal? Bien. Et Pierre D me dit ça très aimablement, c'était un homme d'une grande courtoisie. Je m'en réfère alors à mon cousin Raoul Ewat Termicourt, qui était le magistrat important, vous savez, que Léopold III avait consulté lors de sa capitulation avec Devez et Follien. Et à ce moment-là, je consulte Ewat Termicourt, je lui dis, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est vrai que le roi approuve la création du nouveau journal? Le lendemain, un coup de téléphone d'Ewat Termicourt, qui était toujours très prudent, me dit, venez me voir. Je retourne le voir, il me dit, il n'en est pas question, je me suis renseigné directement. Et le roi n'approuve pas. Donc dites bien à vos amis, si jamais on les consulte ou à des jeunes qu'on veut engager, que c'est sous leur responsabilité. Voilà, une chose vécue. Et je suis très franc, moi, hein, je ne me gêne jamais. Je dis que sinon, j'aurais probablement écrit dans le nouveau journal. Vous avez eu de la chance. Ben, j'ai simplement eu de la raison, je me suis renseigné. C'est pas de la chance, c'est du bon sens. À un certain moment, d'autres dignataires de la cour aurait dit que le roi désapprouvait le nouveau journal. En avez-vous parlé avec le comte Capel, et si oui, et qu'a-t-il déclaré? Oui, c'est bien simple. Une fois, on avait me dire qu'un des dignitaires de la cour, j'ai oublié son nom, avait dit le roi, et je répète les propos, le roi vomit le nouveau journal. J'en étais extrêmement ému, parce que c'était très, très grave à mes yeux. J'ai demandé immédiatement un rendez-vous à Capel, et je lui ai répété cela, et en souriant, il m'a dit, écoutez, il ne faut pas faire attention à cela, il y a des gens qualifiés et des gens non qualifiés dans l'entourage royal. S'il y en a un qui dit des choses qui lui sont personnelles, c'est son affaire, mais je suis ici pour vous dire ce qu'il est entendu entre nous que vous devriez savoir. Et contentez-vous de cela et ne faites pas attention au reste. Voilà tout. Het valt op hoe Robert Poulet de beslissing om tijdens de bezetting als hoofdredacteur met Le Nouveau Journal van wal te steken al te zeer toeschrijft aan de verantwoordelijkheid van koningssecretaris Robert Capelle, precies alsof hij, Poulet, niet het minste oordeelsvermogen zou gehad hebben. Tijdens de bezetting zijn er nochtans journalisten geweest voor wie een keuze bestond,
tussen hun pen te breken of voor te schrijven. Ook in België hebben journalisten hun pen gebroken, tenminste voor de collaboratiepers. Ontstaan gevallen voor de geest van journalisten die hun pen enkel voor de clandestine pers hebben gebruikt en die daarvoor geen advies van de koning nog van zijn secretaris nodig hadden. Bovendien dient gezegd dat niet alle journalisten in de toegelaten pers zich op het voorplan hebben gedrongen zoals Poulet wel heeft gedaan. Het hoofdredacteurschap van een tijdens de Duitse bezetting opgerichte krant lag trouwens niet zo ver uit de richting die Poulet reeds voor de oorlog had gevolgd. Hij behoorde toen inderdaad tot extreem rechts. Meer nog, hem was enige sympathie voor het Latijnse fascisme niet vreemd. Ook behoorde Poulet in september 1939 tot de groep van 13 Franstalige intellectuelen die een manifest ten gunste van de neutraliteit ondertekende. Wat is daar nou verkeerd aan, zal u vragen. Dat is vanzelfsprekend niet eigenaardig. Wel eigenaardig is dat vrijwel alle ondertekenaars van dit manifest in de collaboratie zijn terechtgekomen. Het stemt alleszins tot nadenken dat een hoofdredacteur van een krant niet voor zichzelf kon uitmaken wat hem tijdens een Duitse bezetting te doen stond. Ten slotte heeft Poulet wel tijd nodig gehad om bij Le Nouveau Journal in te zien dat de voorwaardelijke collaboratie die hij gedurende 2,5 jaar had bedreven bij de Duitsers geen schijn van kans had. Anderen hebben het bepaald vroeger geweten. Le Comte Capelle vous a-t-il suggéré des sujets d'articles? Oui, il m'a suggéré de nombreux sujets d'articles. Pas en tant que au point de vue professionnel, mais au point de vue général. C'est-à-dire, vous devriez parler de ceci, vous devriez parler de cela. Une des grandes préoccupations que ces paroles reflétaient, c'était la crainte des désordres intérieurs. Pour conjurer les désordres, vous avez début 41 proposé à Capelle qu'un petit nombre de personnalités fussent investies de la confiance du roi, ce qui donnerait à leur consigne une autorité particulière. C'est que, d'abord, est-ce vrai que vous l'avez fait, que vous l'avez proposé? C'est tout à fait vrai. Et ça correspond à cette préoccupation que j'avais vue chez lui et qui reflétait celle du roi. Et je me suis dit peut-être qu'il serait possible de désigner certains personnages comme étant les conseillers politiques du roi, les familiers du roi, qui formeraient un petit groupe et que ce petit groupe donnerait des consignes à la population, donnerait des conseils et ainsi que la volonté du roi ou les désirs du roi parviendraient à la population sans le compromettre directement. C'est moi qui avais eu cette idée. Je l'ai donnée au comte Capelle, qui l'a trouvée bonne, mais naturellement qui en a référé à son maître. Et puis, la fois suivante, il est venu avec un projet. Ce projet, c'était lui ou le roi qui l'avait mis sur pied. C'était évidemment le roi, parce que Capelle ne pouvait pas prendre d'initiative. C'était donc des personnalités qui me paraissaient correspondre à peu près à la situation du moment. Oui, mais qui avait mis en avant, je crois que 5 noms ont été mis en avant. Oui, 5 noms, c'était... c'était Aywad Termicourt, c'était le second... Je peux mal dire, monsieur Poulet. 5 noms furent mis en avant. Oui. L'ancien ambassadeur à Berlin, Jacques d'Avignon, le magistrat Aywad Termicourt, Hendrik Borgino, Victor Leemans et Gérard Romsey. Mais ma question était, par qui ces noms furent-ils mis en avant? Ces noms furent mis en avant par le comte Capelle. C'est lui qui m'a demandé ce que j'en pensais. C'était donc la manière dont il pensait que l'on pourrait réaliser mon idée. Comment expliquez-vous la présence de 3 personnalités du VNV ou de toute façon très proches du VNV? Mais ça correspondait à la situation du moment. Pourquoi ce projet a-t-il échoué? Je n'en sais rien. Le comte Capelle, la fois suivante, m'a dit « Nous avons renoncé à cette idée et il me semble que les raisons qu'il m'a données, la raison qu'il m'a donnée, c'était que ça compromettrait le roi quand même. On finirait par
faire la relation, une relation directe. Parce qu'on croirait qu'il se mêlait de politique intérieure. Voilà, il aurait peut-être des ennuis, soit avec les Allemands, soit avec la population d'une autre opinion, je l'ignore. In de koningskwestie is de rol van de omgeving van de koning erg betwist geworden. Welke is volgens u de juridische toestand van deze persoonlijke adviseurs in zaken verantwoordelijkheid bij politieke stappen? Juridiquement, les conseils du roi, cela est ignoré par tout le système du droit public belge. Dans la Constitution, il n'est pas trace des conseillers, il ne leur est prévu aucune place, mais il est bien entendu que le roi peut s'informer, s'entourer, demander conseil, encore qu'il soit plus naturel qu'il le fasse auprès de l'émanation des milieux politiques qui représentent la nation. Il n'empêche qu'il ne leur est prévu aucune place explicite et que par conséquent, s'ils agissent, ce ne peut être qu'à travers la personne du roi et dans le système du droit public belge d'un roi qui est couvert par la responsabilité d'un ministre. Dès le moment donc qu'il porte crédit à ce que lui disent ses conseillers ou qu'il met en œuvre des conseillers pour agir d'une manière spécifique non couverte par la responsabilité ministérielle, il se situe hors du champ de la pratique constitutionnelle. Met andere woorden, de daden van de omgeving van de koning moeten noodzakelijkerwijze gedekt worden door de koning. Et le roi lui-même couvert par un ministre. De betwisting omtrent de omgeving van de koning houdt onder meer verband met de vraag of de leden van deze omgeving, wanneer zij advies verstrekken aan politieke figuren of journalisten, zoals bijvoorbeeld het geval is geweest met een Robert Poulet, de koning binden, dat is de grote vraag. Of die dus, of ze advies verstrekken, of zij dan de koning binden. Wat meent u? Eh bien, je dirais que nous sommes hors du champ de la responsabilité. Parce que le roi, au nom duquel ils ont ou n'ont pas parlé, vous connaissez tous les débats à ce sujet, le roi au nom duquel ils parlent là, est un roi qui n'est pas couvert par les ministres. Donc qu'ils le fassent directement au nom du roi, ou d'initiatives personnelles plus ou moins couvertes par le roi. Nous sommes là, hors du champ du droit public belge. Le roi n'est pas le dépositaire absolu du destin national dès le moment qu'il n'y a pas un ministre pour le couvrir. Et c'est le rôle qu'il jouait. Acht u de leopoldistische versie geloofwaardig als zouden leden van de entourage van de koning, en dan denken wij bijvoorbeeld aan zijn secretaris, graaf Capelle, in hun gesprekken met en raadgevingen aan politici en journalisten, zoals een Robert Poulet, die een samenwerking met Duitsland voorstonden, dat zij slechts in eigen naam en niet in naam van de koning hebben gesproken? Sommigen onder hen zijn daar zeer onvoorzichtig geweest, nietwaar? Met de indruk te geven, en zelfs de overtuiging te geven, dat zij uit naam van de koning spraken. En ik heb dikwijls de indruk gehad, want het is natuurlijk maar een indruk, dat naar gelang hun gezindheid, hun sympathieën enzovoorts, ze zich uitspraken voor de een of voor de andere. Ja, maar meneer de gouverneur, het is toch moeilijk denkbaar dat een secretaris van de koning, en ik denk dan vooral aan graaf Capelle, mensen van een bepaalde strekking ontvangt. Hij zal onvermijdelijk daarover verslag hebben uitgebracht aan de koning, maar heeft hij blijven voortontvangen. Ja, dat kan toch maar enkel met de instemming van de koning gebeurd zijn. Ik vermoed het. Estimez-vous, monsieur Poulet, que le comte Capelle se serait permis d'avoir pendant la guerre d'autres sentiments que le roi Léopold? Mais vous me posez cette question parce que vous n'avez pas connu le comte Capelle. Le comte Capelle, Robert Capelle, c'était l'impersonnalité caractérisé, il était incapable. L'impersonnalité caractérisée. C'est le contraire de la personnalité. C'était un simple reflet, un phonographe dans lequel on enregistrait des sons et qui voulait répéter. C'était le seul avantage qu'il avait, mais il était très grand pour un secrétaire. C'était sans doute l'intermédiaire parfait. Et il est absolument impossible d'imaginer que pendant 2 ans et demi, il ait pu prendre sur lui entièrement de me donner d'autres conseils ou d'autres informations que celles qui lui venaient de son maître qu'il voyait tous les jours. C'est-à-dire que Capelle,
quand il s'adressait à un homme comme Poulet, je reprends le cas Poulet parce que c'est le plus clair, lui disait, et surtout, ne croyez pas que mes paroles engagent le roi. Et Poulet était persuadé que c'était une simple précaution oratoire et qu'en fait, il devait y avoir entente entre le souverain et un secrétaire qu'on savait extrêmement proche de lui. Ce qui fait que je crois qu'il n'y avait pas moyen pour les membres de l'entourage, dès l'instant où ils prenaient une position, d'empêcher leurs interlocuteurs de penser que derrière eux, il y avait le souverain. Ja, maar het is toch ondenkbaar, professor, dat een secretaris al die mensen ontvangt die aandringen op een nieuwe regering te vormen, die zelf al duidelijk in de collaboratie staan en die voortgaan met die te ontvangen. Ja, zonder dat de koning daar op de hoogte van is, een secretaris kan dat zomaar toch niet op eigen initiatief blijven doen. Non, il est évident que le roi a admis pleinement que Capelle rencontre tout le monde. Il a rencontré des hommes venus de tous les horizons politiques, y compris les horizons de la collaboration. Et la raison invoquée, c'était la nécessité de s'informer de tous les courants d'opinion existants en Belgique. Mais je crois qu'on peut aller un peu plus loin dans l'analyse de cet écuménisme, si vous voulez, dans les contacts. Je crois que ça signifie que le roi lui-même considérait qu'il devrait éventuellement, dans la reconstruction de la Belgique, faire appel à des hommes venus de tous les horizons. Mais est-il vrai que le comte Capelle a souligné que pendant l'entretien qu'il a eu avec vous, que son avis ne pouvait en aucune façon engager le roi et que vous ne pourriez en aucun cas déclarer que le palais était d'accord avec vous, comme le comte Capelle l'a souligné dans ses livres sous le titre « Au service du roi ». Mais ce n'est pas tout à fait comme ça que les choses se sont passées. La formule officielle qu'il m'a été donnée au début du premier entretien, parce qu'il y en a eu beaucoup, c'était la suivante. Je vous reçois à titre privé. Il allait de soi que c'était une formule officielle, et d'ailleurs qui a été dépassée de loin. Il était inimaginable qu'on puisse aller demander des conseils à un homme qui n'avait pas d'opinion personnelle et qui ne pouvait pas en avoir. Mais c'était la forme officielle de son rôle et du rôle que le roi lui avait donné à tenir. Et tout le reste des entretiens a été fondé sur cette base-là, n'est-ce pas? Et en effet, il m'a dit plus d'une fois, surtout, n'allez pas dire que vous êtes le journal du roi, n'allez pas dire que vous ne faites que refléter les opinions qui viennent de lui. Bien entendu. De qui? De lui, le roi, n'est-ce pas? N'allez pas répandre ce bruit, parce que ça ferait le plus grand tort au roi dans la position où il s'est mis, et je le comprenais très bien, et d'ailleurs je m'y suis efforcé la plupart du temps. Mais, M. Poulet, quelle preuve avez-vous que le comte Capelle aurait agi selon les instructions du roi Léopold, comme vous l'avez toujours maintenu? Oui, la preuve. Quelle preuve pourrais-je apporter autre que les... que la situation même qui se présentait à ce moment-là, un citoyen belge qui demande à entrer en contact avec le roi, le secrétaire du roi lui dit « Je viens organiser avec vous ces contacts, c'est moi qui vous apporterai la réponse à toutes les questions que vous pourrez poser. » Je ne vois pas quelle preuve je pourrais apporter, à moins d'avoir fait photographier ou cinématographier les entrevues, d'une telle chose. D'ailleurs, les preuves se trouvent dans les rapports du comte Capelle lui-même, dont on a livré des fragments, et qui ne contredisent pas ce que je dis, au contraire. Om de verslagen die Capelle van zijn gesprekken met Poulet ten behoeve van de koning opstelde, is na de oorlog heel wat te doen geweest.
enkel poulet, maar zelfs het Belgisch gerecht kreeg slechts een door Jacques Pirenne opgestelde samenvatting van sommige van deze verslagen te zien. Nochtans had de Belgische justitie in de loop van een gerechtelijk onderzoek tegen Capelle, dat van juni 46 tot juni 48 aansleepte en op een buitenvervolgingstelling eindigde, de wens uitgesproken over alle verslagen en agendas van Capelle te kunnen beschikken. Maar Jacques Pirenne oordeelde dat deze stukken privébezit van de koning waren. Ze bevonden zich toen, dus tussen 46 en 48, inderdaad in Zwitserland, waar de koning nog steeds verbleef. Van zodra de weigering van Pirenne om Capelle's authentieke agendas en verslagen ter beschikking van het gerecht te stellen was uitgelekt, vond de anti-leopoldistische pers hierin vanzelfsprekend nieuwe stof voor haar campagne tegen de koning. Te meer daaruit het gerechtelijk onderzoek tegen Capelle was bekendgeraakt dat diens verklaringen aan het gerecht in strijd waren met de samenvattingen die Pirenne had gemaakt van Capelle's verslagen over dienstgesprekken met Poulet. Zo had Capelle bijvoorbeeld gelogend dat hij tegenover Poulet ooit zou hebben verklaard: vous faites œuvre patriotique, u verricht een vaderlandse daad. Welnu, deze uitdrukking stond ten voeten uit te lezen in het verslag van Capelle zelf. Le comte Capelle a toujours affirmé le contraire de ce que vous dites. À quel moment? Il a affirmé le contraire de ce que je dis à partir du moment à la libération où il a été questionné par les juges sur ces faits que j'avais révélés confidentiellement à la justice qui m'interrogeait. À ce moment-là, il a donc minimisé, limité, nier certains faits, notamment la fameuse phrase « Vous faites œuvre patriotique ». Tout cela, mon sentiment à moi, mais ce n'est qu'un sentiment, c'est que c'est faux témoignage, car c'est un faux témoignage, a été fait de bonne foi. C'est un homme qui croyait, le roi était loin, qui croyait devoir à tout prix défendre les intérêts de son maître, intérêt qui déjà était attaqué à ce moment-là, et qui a cru devoir mentir sur des points qui auraient pu gêner le souverain au moment où il reviendrait. C'est ainsi, lorsque plus tard on l'a questionné de nouveau, il était enferré dans ses mensonges initiaux, il a continué à les maintenir, mais très mollement. On m'a confronté avec lui deux fois et ses dénégations ont toujours été extrêmement faibles, molles et sans conviction. C'est une victime de la fidélité excessive. Et il a donc, selon vous, il a menti pour bien faire. Il a menti pour bien faire, mais je crois devoir ajouter qu'il a eu tort. On ne doit jamais mentir, même pour bien faire. Et par raison d'État. Je ne crois pas à la raison d'État. Je suis écrivain et historien. J'ai pu suivre dans de nombreuses époques les raisons qu'on a pu donner pour soutenir la thèse de la raison d'État. J'ai toujours trouvé que la raison d'État a toujours couvert des sottises et des imprudences et que ça a toujours mal tourné. La seule politique solide, c'est la politique de la franchise, de la vérité. Monsieur Poulet, c'est bien vous qui avez toujours insisté pour être reçu par le comte Capelle, c'est pas le contraire. Il était entendu au début que chaque fois que je le souhaiterais, et disait-on au plus tard toutes les six semaines, mais c'est devenu trois semaines à la suite, je m'y prendrais comme ceci, je téléphonais au comte Capelle, lequel me donnait rendez-vous, soit chez lui, soit au palais, et les entrevues devaient se faire de cette façon. Il n'y avait aucune raison que l'initiative vînt de lui, parce qu'il savait que chaque fois j'allais venir, et il était bien clair que j'avais
de bonnes raisons de venir, puisque nous nous trouvions devant une situation fluctuante, changeante complètement, et il était très intéressant d'avoir sans cesse des informations sur ce qu'on en pensait là-haut. Je crois qu'il faut être très prudent dans la critique des textes. Avec Poulet, on est sur un terrain relativement sûr, et même très sûr, étant donné que là, le comte Capel lui-même a admis certaines choses, il y a des documents. Dans d'autres cas, ce que l'on constate, c'est que des membres de l'entourage du roi, Capel en premier lieu, ont incontestablement reçu des gens très engagés dans la collaboration. Et cela déjà peut apparaître comme ayant une certaine signification politique. De nu volgende getuigenis van Robert Poulet is van bijzonder belang. Zoals in het geval van Hendrik de Man verschaft zij een nog beter inzicht in de betrekkingen die het Hof op geregelde tijdstippen heeft onderhouden met de hoofdredacteur en politieke directeur van een krant die nochtans onder Duitse censuur verscheen en duidelijk de nieuwe orde had aanvaard, of beter gezegd, deze hoe langer hoe meer voorstond. J'avais des relations avec le comte Capel, qui était l'interprète du roi et qui d'ailleurs m'en a donné les preuves, puisqu'il m'a montré à diverses reprises mes articles annotés de la main du roi lui-même, et qui, lorsqu'il y a eu des critiques à faire, me les a faites. Et les seules critiques qu'il m'ait jamais faites, c'est d'avoir, une fois, d'avoir manqué à la discrétion. J'avais dit à quelqu'un les relations que j'avais avec lui, il en était très ému. Et la deuxième, c'est que j'avais, dans un article, violemment critiqué l'égoïsme des riches qui ne... Des classes possédantes. Qui ne donnaient pas suffisamment aux misérables, qui à ce moment-là étaient très misérables pendant un certain temps. Et le comte Capel m'a dit qu'à son avis, c'était une erreur d'essayer de mettre de l'huile sur le feu de la jalousie de classe ou de la haine sociale. Ce sont les seules objections qu'il m'ait faites, avec celles qu'il m'a faites lorsque je suis parti. C'est-à-dire qu'à ce que je suis parti, il m'a dit, vous avez tort de partir, vous devriez encore essayer pendant un certain temps de tenir bon. Mais ce n'était pas possible, puisqu'on avait dépassé, on était sorti du cadre de mon essentiel. Het vertrek van Poulet als hoofdredacteur en politiek directeur van Le Nouveau Journal was ingegeven door de toespraak de Léon de Grelle de 17 januari 1943 in het Sportpaleis te Schaarbeek hield. Daarin verklaarde de Rijksleider dat de Walen volbloed Germanen waren. Een standpunt waarmee Poulet, en niet alleen hij, zich niet kon verzoenen. Au cours d'une manifestation impressionnante, le chef de Rex, Léon de Grelle, parle au Palais des Sports de Bruxelles, à ses sympathisants et aux membres de la Légion Wallonie. Son discours développe principalement les notions acquises, suite aux impressions ressenties au front de l'Est, au contact direct des soldats allemands. Il a dit notamment, « Nous nous sommes retrouvés fils d'une même race, liés par un même passé fastueux, débordant de puissance et de grandeur. » Het is vanzelfsprekend niet uitgesloten dat Poulet zich bij zijn beslissing ook door de wending van de oorlogsgebeurtenissen heeft laten leiden. Januari 1943 mocht immers met heel wat reden aan de Duitse overwinning worden getwijfeld. Nochtans drong graaf Capel ook toen nog bij Poulet erop aan dat deze geen ontslag zou indienen. In sommige kringen deed en doet nog steeds de stelling de ronde dat de koning tijdens de bezetting op twee paarden zou hebben gespeeld. Volgens de verdedigers van deze stelling zou zulks onder meer hieruit blijken dat Capelle als secretaris van de koning uitsluitend contacten met collaboratiekringen zou onderhouden hebben. Frederik zou dan als kabinetchef van de vorst slechts met pro-geallieerden in betrekking hebben gestaan. Terwijl dat is, meen ik te mogen zeggen, de opvatting geweest van de koning. Wat is de opvatting? De opvatting van de koning, men moet de twee kaarten spelen. Ah. Ja.
En daarvan heb ik kennis. Want ik ben eens, maar nu, dat wil ik niet zeggen voor de radio. Het is tv hoor. Voor tv. Ja. Maar een ogenblik. Ja, waarom zou u aarzelen om dat te zeggen? Dus het gaat over geschiedenis. Het gaat nee. Het gaat niet over politiek. Nee, ik zal het niet zeggen. Ik zal het niet zeggen, want het is nog niet geëindigd. Het is nu 40 jaar later. Nee, ik weet het maar. Nee. Men heeft gemeend dat het nuttig was, aangezien de onzekerheid van de toekomst, dat men vrienden zou hebben die kunnen helpen de belangen van België te verdedigen. In ene hypothese de Duitsers winnen, een andere hypothese de Duitsers winnen niet. En ik weet, het was heel goed, dat men dan heeft gezegd, ja, dat is misschien blijndig, het is misschien niet waar goed uitgevonden, maar dat is geen spel voor een koning. Inderdaad, de koning is de vertegenwoordiger van een ideaal, dat men niet kan bespreken, dat ideaal zijnde de onafhankelijkheid van België. En bij gevolg niet waar aanvaarden een hypothese dat die onafhankelijkheid wordt verloren, je wil de koning maar die hypothese niet onderzoeken. Dat vooral graaf Capelle betrekkingen met uitgesproken nieuwe ordegezinden onderhield, staat vast. Benevens Robert Poulet ontmoette Capelle ook nog geregeld de journalist Pierre D., hier links op de foto, een vriend van Léon de Grelle, naast hem trouwens. Tevens voerde Capelle een briefwisseling met de hoofdredacteur van de gestolen zwaar, Raymond de Becker. Met de vooraanstaande figuur uit het VNV, Gérard Homsé, die in 1940 gouverneur van Limburg en begin 1941 secretaris-generaal voor Binnenlandse Zaken werd, stond Capelle tot laat tijdens de bezetting eveneens in contact. De 17e september 1940 ontving Capelle, vermoedelijk door bemiddeling van Romsé, de nummer 2 in het VNV van toen, Hendrik Elias. Bij Elias peilde Capelle naar de inzichten van het VNV nopens de mogelijke vorming van een nieuwe regering. Zeer waarschijnlijk was Capelle ook de hofdignitaris die de 29e november 1940, dus na Berchtesgade, met de Verdinazo-leider Emile Thiers een politiek gesprek voerde. Van Capelle's contacten was de koning ongetwijfeld op de hoogte, zo niet vooraf, dan toch achteraf via de verslagen die Capelle ten behoeve van de vorst over zijn gesprekken opstelde. Maar anderdeels stond Capelle ook in contact met de leiders van conservatieve verzetsgroeperingen zoals de Nationale Koningsgezinde Beweging. Dat de kabinetchef van de koning, Louis Frederik, slechts betrekkingen met pro-geallieerden zou onderhouden hebben, wordt door volgende feiten toch enigszins tegengesproken. Tot 1941 bezocht Frederik, die én rector van de Rijksuniversiteit Gent én gouverneur van Oost-Vlaanderen was geweest, nog geregeld zijn gewezen collega, de Gentse hoogleraar Frans Daals. Nochtans was Daals in september 40 lid van de Raad van Leiding van het VNV geworden, dus alleszins een vooraanstaande van het collaborerende VNV. Weliswaar staakte Frederik zijn bezoeken aan Daals naarmate het VNV zich hoe langer hoe meer in de collaboratie engageerde. Wat evenwel niet belette dat Frederik nog in 1942 de VNV-gauwleider voor West-Vlaanderen, Jérôme Leury, dan ging opzoeken. Tevens zou Frederik volgens wel zeer betrouwbare bron bij de aanstelling van Romsé tot collaborerende secretaris-generaal voor Binnenlandse Zaken een rol hebben gespeeld. Bij deze aanstelling was Romsé in de eerste plaats de kandidaat én van de Duitsers én van het VNV, maar zijn kandidatuur werd dus ook door het Hof gesteund. Een van de zeer weinige hoogwaardigheidsbekleders bij het Hof die én in verzetskringen én bij de Belgische regering te Londen op een goede faam mocht rekenen, was generaal Tilkens, die terecht als Engelsgezind stond aangeschreven én geregeld met verzetsbewegingen in contact stond. Alle thans bekende gegevens wijzen erop dat de koning niet op twee paarden heeft gespeeld, maar integendeel steeds één en dezelfde houding heeft aangenomen. Je crois que Léopold III n'a pas été l'homme du jeu machiavélique consistant à garder de fer au feu. Au contraire,
ce qu'il caractérise, c'est une certaine obstination, et même une obstination certaine, dans la ligne qu'il a choisie. Il a une ligne politique et il s'y tient, même quand cette ligne devient manifestement contraire à ses intérêts. Il est évident qu'il n'y a rien de plus affreusement maladroit à cet égard, nous en parlerons peut-être dans un instant, que le testament royal de janvier 1944. Alors le testament royal, si vous voulez, c'est à mon avis la preuve éclatante du point de vue psychologique que le jeu sur plusieurs tableaux n'est pas du tout dans le caractère de Léopold III. Et d'un double spel gespeeld. Ik ben er diep van overtuigd, ziet u, dat de koning in alle eerlijkheid een rechtlijnige politiek gevolgd heeft, die regelrecht indruiste natuurlijk in de regering, de politiek van de regering te lopen. En het leidt geen twijfel dat onder de leden van de entourage er verschillende opinies waren. En dat sommigen onder die mensen de opinie of de gedachte of de overtuiging van de koning niet juist overgedragen hebben. En er is daar soms een tegenstrijdigheid. Dat is een feit. Zoals ze ook in verschillende gevallen, in menig geval mogen we zeggen, ook de opinie van de koning hebben vertolkt. Oh, heel zeker. Ook, hè? Heel zeker. Toch niet altijd. Ongetwijfeld, hè? Niet uitsluitend hun eigen. Heel zeker, hè? Maar naar gelang de wending van de gebeurtenissen gaven ze daar een andere uitleg, een andere interpretatie. Ik heb het dikwijls personen kunnen vaststellen. En er zijn er die soms zeer onvoorzichtig zijn geweest. In welke zin? Hoezo? Omdat ze te ver gingen. En dat bepaalde woorden konden geïnterpreteerd worden als een aanzetten om bijvoorbeeld de strijd voor te zetten met de een of de ander. Ik vermoed, meneer de gouverneur, dat in de loop van die vier jaren bezetting dat er ook bij de entourage van de koning een evolutie was waar te nemen. Oh ja, ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Ik heb dat de personen kunnen vaststellen bij sommigen onder hen. De opinie die ze tot uitdrukking brachten, sommigen althans, op het einde van de oorlog was heel anders dan hetgene ze in het begin van de oorlog zeiden, nietwaar? En er zijn keerpunten geweest aan de oorlog.
bedoelt, men paste zich aan... En men paste zich aan. Aan de loop van de gebeurtenissen. Let wel op, ik ben ervan overtuigd dat ik zelf geëvolueerd heb onder de oorlog. Maar natuurlijk niet in die mate. Niet in die mate. In de omgeving van koning Leopold hebben niet alleen baron Frederik en vooral graaf Capelle een rol gespeeld. Reeds in onze vorige programma's is gebleken welke sterke invloed s'konings vleugeladjudant en belangrijkste militaire raadgever, generaal Raoul van Overstraten, voor de oorlog op de koning had uitgeoefend. Van hem getuigde generaal Tilkens, hoofd van het militair huis van de koning en duidelijk Engelsgezind, in augustus 40 tegenover een afgevaardigde van de regering Pierlot, dat generaal van Overstraten van de Duitse overwinning overtuigd was. Et quelle aurait été le rôle du général van Overstraten dans l'entourage du roi pendant la guerre? Pendant la guerre, c'est un rôle, attention, c'est un rôle beaucoup plus effacé qu'on ne l'a cru. On lui a donné une importance énorme, une puissance auprès du roi. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Il a eu deux, trois interventions heureuses ou malheureuses, mais on ne peut pas dire que c'est le monsieur qui était tous les jours à l'Aachen. Quelles sont ces interventions heureuses et malheureuses? Et peut-être surtout malheureuses, alors? Malheureuses, mettons qu'il ait été mêlé à certaines interventions qu'il aurait peut-être pu s'épargner de faire. Vous savez, il y avait des problèmes... De quel genre? Mais van Overstraten, par exemple, était très militaire. Hein. Alors van Overstraten, se dire, voilà, les officiers vont s'engager dans la résistance, dans une organisation d'armée secrète et tout ça. Je ne peux pas dire qu'il était... Il a fort poussé, ça. Il n'était pas contre, mais il n'était pas fort pour non plus. C'était plutôt l'homme qui était partisan d'une position attentiste dans l'ensemble. Et alors, il avait de l'orgueil, hein. Et il a blessé, heurté parfois des gens. Est-il vrai, M. Poulet, que le comte Capelle vous a confié des articles qui étaient écrits par le général van Overstraten, le conseiller militaire du roi, et qui étaient publiés dans l'hebdomadaire Cassandre? Il est exact que le comte Capelle m'a donné, à un moment donné, des articles en disant ils sont du général van Overstraten, c'est parce qu'il s'agit de combattre dans l'opinion belge l'idée que la guerre de 18 jours a été menée avec mollesse et que les troupes belges s'y sont comportées d'une façon lamentable. Je vais approuver le contraire et voici une série d'articles que je vous prie de communiquer à la direction de Cassandre, ce que j'ai fait. Je me suis contenté de transmettre ces articles qui d'ailleurs étaient très intéressants, très bien faits et qui prouvaient qu'en effet, certains des régiments belges s'étaient conduits avec une... Beaucoup de courage. Colonel, heeft generaal van Overstraten tijdens de bezetting contacten gehad met personen van de nieuwe orde? Ja, want ik heb er persoonlijk gezien. En welke mensen waren dat zo, van de nieuwe orde? Ik heb er gezien die in uniform waren. Want we hadden toen, die tijd, dat was steeds 42, 43, kwam van Overstraten van tijd tot tijd op het bureau dat nevens het mijne was. Dat was in de tijd één enkele zaal geweest en die hadden ze in twee gescheiden. Ja. Ik zag dus de aankomst wie daar was. En dat waren personen in uniform? In uniform. Mag ik vragen, welke uniform? Een zwart uniform. Dat. Ja. Zwart uniform. Zwart uniform, ja. met zilveren galons. Collaboratiebewegingen. Maar, of milities. Toen was er al een controle aangesteld geweest bij de ingang van het kabinet van de koning. Daar had de grootmaarschalk een controle van Belgische gendarmen gesteld. Dan moest iedereen zijn identiteitskaart aan tonen. Laten zien, ja. En de gendarmen hebben mij die bemerking gemaakt, inderdaad, dat het spijtig was dat zij moesten controle opheffen op mensen die vreemde uniform aan hadden. Maar u zelf, dacht ik, u stond veel eer aan de kant van het verzet, niet?
Ik stond helemaal aan het kant van het verzet. Als dan generaal Van Overstraat, de vleugeladjudant van de koning, personen in zwarte uniform ontvangt, dan moet u als verzetsman toch wel bepaalde bedenkingen hebben gehad. Ja, ik vond dat geweldig spijtig, maar wel dat het kon doen. Maar als... U spreekt nogal dikwijls over uw chef, generaal Tilkes. Maar als die dat allemaal zag gebeuren, daar op het paleis, had hij dan ook geen bepaalde beschouwingen? Ja, hij vond dat even schandalig dan als ik het gevoeld heb. Ik heb op de hoogte moeten stellen dat zekere gendarme van dienst van de controledienst, hij kon wel zeggen, het is voor ons toch onmogelijk van vreemde uniformen te moeten controleren. Ja, vooral in het Koninklijk Paleis. In het Koninklijk Paleis. Par quels autres familiers du roi les indications du comte Capel étaient confirmées? Elles étaient confirmées par Jacques d'Avignon et puis aussi par l'abbé de Scheutener qui était un ami personnel du roi. L'abbé de Scheutener avait été le camarade du roi à l'école militaire, il était destiné à l'état militaire et puis il avait changé, il était devenu prêtre et il restait très, très unis, je crois même qu'ils se tutoyaient. Et l'abbé que je rencontrais de temps en temps et qui s'est présenté lui-même et qui a voulu me connaître, m'a plus d'une fois expliqué cela. Mais pour être tout à fait honnête, il faut que j'ajoute qu'il me prédisait qu'après la guerre, bien des choses qu'il me répétait de la part du roi seraient niées, abandonnées et critiquées. Mais je n'ai pas attaché beaucoup d'importance à ces réserves qui n'étaient pas celles d'un spécialiste ni même d'une personne qualifiée, c'était simplement un prêtre. Tenminste van even grote betekenis voor de politiek van Laken was de tussenkomst van het Hof ten voordele van de gewezen VNV-volksvertegenwoordiger Gérard Romsé bij diens aanstelling tot secretaris-generaal voor Binnenlandse Zaken in maart 1941. Romsé had niet enkel de ondergeschikte besturen, de provincies en gemeenten onder zijn bevoegdheid, maar hij was ook verantwoordelijk voor de handhaving van de orde via rijkswacht en politie. Laten we misschien nou iemand anders nemen. En daar is het zeer duidelijk dat hij vele contacten met het Hof heeft gehad, en dat is namelijk Romsé. Ja, ik heb Romsé zelf nooit gekend, nog gezien. Maar ik herinner mij zeer goed dat op een zekere dag, toen ik nog een ausweis had om van het paleis Brussel naar het kasteel Laken te gaan, was er een auto die afreed om 9:00 in de morgen. Op een zekere dag moest ik op de paleizen zijn, waarschijnlijk om te spreken met de ordonnance-officier van de week die betreffende het tarief. En toen heeft Capelle mij de vraag gesteld. Die zat ook in de auto. Die zat erin met Van Overstraat en misschien Frederik ook, dat weet ik niet. Die auto reed af van de koninklijke stellingen die iedereen kent. Hè. En onderweg heeft Capelle mij de vraag gesteld, wat is uw ding over Romsé? Ik heb geantwoord, wat is de bedoeling? Ja, als die een post zou bekleden, wat zou je daarover denken? En dat heb ik aangehaald toen ik jong onderluitenant was. Had ik een paard willen kiezen in de stal van mijn toegewezen regiment. En dan heeft iemand mij gezegd, pas op, je zult je hals breken met dat paard. Ik heb dat paard toch genomen en ik heb een lelijke val gedaan. En dat is het besluit geweest dat ik het offerde. Mm-hmm. En je hebt dat toepasselijk gemaakt op de figuur van Romsé. Ja. Dat was het paard waarmee men zijn nek kon breken. Ja. Ook kolonel Van Coppenolle zou einde 42 door het Hof zijn gesteund bij zijn benoeming tot korpscommandant van de Rijkswacht. Van Coppenolle heeft tijdens zijn naoorlogsproces zelf naar deze steun verwezen. Maar er is meer. Twee VNV-vooraanstaanden, onder wie VNV-leider Elias, bevonden zich in het kabinet van de secretaris-generaal voor Binnenlandse Zaken Romsé
toen deze opgewekt van het paleis terugkwam en hun mededeelde dat hij de benoeming van Van Coppenolle op zak had. Ook uit een naoorlogsgetuigenis van de secretaris van de koning, graaf Capelle, is gebleken dat tussen hem en Romsé tenminste over de benoeming van Van Coppenolle tot korpscommandant van de Rijkswacht was gehandeld. Het spreekt vanzelf dat deze, evenals alle andere benoemingen, tijdens de bezetting niet zonder het fiat van de bezetter konden geschieden. En wel erg merkwaardig licht wordt op de politiek van Laken geworpen door de vragenlijst die midden 43 door het Hof aan pater Kallewaard werd voorgelegd. Via een rondvraag bij enkele representatief geachte personen wilde het Hof zich een beeld vormen van hoe de Belgische bevolking tegenover de koning stond en hoe zij het naoorlogse België zag. Pater Kallewaard, wiens VNV-sympathieën bekend waren, werd aangezocht als vertegenwoordiger van de bewuste Vlamingen. Alles wijst erop dat het Hof ook bij de in de collaboratie staande Vlaams-nationalisten steun voor de koning heeft willen zoeken met het oog op de verwachte strijd met de tegenstanders van Leopold III. Volgens het Duits militair bestuur te Brussel had het Hof hierbij aan de VNV-leiding laten verstaan dat in het toekomstig België wel degelijk met het Vlaamse streven naar autonomie rekening zou worden gehouden en dat geen tweede activistenjacht zou ontstaan op voorwaarde dat het VNV onmiddellijk de collaboratie stopzette. De koning voerde via zijn medewerkers en dan vooral via zijn secretaris graaf Capelle niet enkel een actieve aanwezigheidspolitiek. Op sommige ogenblikken heerste in en rondom het paleis te Laken ook opgemerkte stilten die de koning vooral na de oorlog zullen worden verweten. Je crois que il y a aussi l'aspect négatif de la politique de Laken, c'est-à-dire les silences de Laken, les abstentions de Laken. Et étant donné que malgré tout, quand on analyse la politique de Léopold III, ce à quoi on pense invinciblement, c'est au prolongement, c'est-à-dire à la question royale. Je crois que dans ce qui va devenir la question royale, l'essentiel, ce n'a pas été ces quelques contacts que nous venons d'évoquer, ça a été les silences de Laken. Silence dans deux secteurs. D'abord, en 40, 41, 42 encore, se développe dans certains milieux, pas très nombreux, mais enfin assez remuants, une propagande en faveur du renforcement, dans le nouveau régime à construire pour la Belgique, du renforcement du pouvoir royal, de manière à faire du roi le véritable chef du pays. Et cette vue s'exprime dans une brochure qui s'appelle « La Belgique loyale » et qui est assez répandue dans le pays. Xavier de Grune. Xavier de Grune, d'autres d'ailleurs, dans d'autres écrits qui se répandent dans le public, où de mouvements clandestins participent à cette propagande, clandestin ou semi-clandestin. Par exemple, la Belgique loyale est n'est pas ce qu'on peut appeler un clandestin, c'est une brochure qu'on se passait presque ouvertement. Die men misschien graag wil laten doorgaan als ondergrond. C'est ça, oui. Et il est clair que cette propagande n'a pas été connue de la population générale, circulait seulement dans certaines couches de la population, mais ce qui a frappé ceux qui étaient touchés par cette propagande, c'est que jamais aucun désaveu n'est venu de Laken à son sujet. Or, il est évident qu'il aurait été possible, par des voies diverses, de faire connaître le désaccord du roi avec cette propagande. Ça, c'est un silence de Laken. In de brochure in zakformaat La Belgique Loyale, die tijdens de zomer van 41 op verscheidene duizenden exemplaren werd verspreid, werd met de slogan Nog Berlijn, nog Londen de neutraliteitspolitiek nadrukkelijk verkondigd. Tevens werden sommige vooraanstaanden uit de collaboratie, zoals Hendrik de Man en Gérard Romsé, opvallend mild beoordeeld, terwijl Léon de Grel werd afgekeurd. Xavier de Grune, die reeds voor de oorlog Rex had verlaten en aan wie de brochure werd toegeschreven, beschikte over contactpersonen die bij hem verslag uitbrachten over de wijze waarop de brochure door de publieke opinie werd ontvangen. Uit deze verslagen blijkt duidelijk dat de Grunne en zijn medestanders niet voor een machtsgreep zouden terugschrikken
om onmiddellijk na het vertrek van de bezetter een autoritaire staat onder rechtstreekse leiding van de koning te vestigen. Het geeft alleszins stof tot nadenken dat de Grun op grond van verboden wapenbezit de 21ste augustus 1942 werd aangehouden. Hij overleed in 1944 in een Duits concentratiekamp. U kent ongetwijfeld de brochure La Belgique Loyale, waar ook weer die neutraliteit door dik en dun wordt verdedigd, die aan graaf Xavier de Grun wordt toegeschreven. Kolonel Jean Marissal heeft in een naoorlogse verklaring gesteld dat de Grunne door andere personen werd geïnspireerd. Dat kan wel zijn. En ziet u daar klaar in? Dat kan wel zijn. Ik vermoed, ziet u, dat mensen die in het begin van de bezetting zeer aarzelend waren ten opzichte van de, hoe zou ik zeggen, het resultaat van de vijandelijkheden, dat ze gesteund hebben, hè? Kan u dat concreter zeggen? Maar ik denk dat in de middens, niet waar, waar men, hoe zou ik zeggen, een compromis wenste, men in die richting ging. Meneer de gouverneur, mag ik u dan een paar namen noemen? Ja, alsjeblieft. Vermits u het niet doet. Nee, alsjeblieft. Van Overstraat. Oh ja, wat ze verwonderd me niet, aan de ban. Zonder twijfel, generaal Van Overstraat. Waarschijnlijk, hè. Ter Linden? Vermoedelijk. Burggraaf Charles Ter Linden, historicus en hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Leuven, was een uitgesproken sympathisant van het Nationaal Legioen, een nieuwe ordebeweging die in de jaren 30 sterk op het fascistische Italië was afgestemd. Ook nog na de capitulatie bleef hij verbindingsman tussen het Nationaal Legioen en het Hof. Voor de oorlog was hij voorzitter geweest van het Comité d'Action pour l'Universalité de Rome, dat officieel de klassenverzoening en de verstandhouding onder de volkeren wilde bevorderen, maar dan wel met de steun van de propagandadiensten van Mussolini. Ook stond Ter Linde voor de oorlog samen met pater Morlion vooraan in de onverbiddelijke strijd tegen het communisme. In juni 40 dacht Ter Linde dat zijn uur geslagen had. Hij richtte een memorandum tot de koning, waarin hij deze voorstelde na een spoedig einde van de oorlog onmiddellijk een militaire overgangsregering met uitzonderlijke bevoegdheden te vormen om, we halen aan, met nieuwe mensen en nieuwe middelen een geheel nieuw gebouw op te trekken. Einde van de aanhaling. Zo wilde Ter Linde, bij wijze van voorbeeld, beslist met het algemeen enkelvoudig stemrecht afrekenen. Einde 1940 werd Ter Linde het hoofd van de politieke afdeling van het Belgisch Legioen. Niet te verwarren met het Nationaal Legioen. Het Belgisch Legioen was inderdaad een clandestine organisatie van koningsgezinde officieren die in 1940 eveneens aan een sterke staat dachten en pas nadien tot verzet tegen de bezetter zullen overgaan. In juli 1941 werd Ter Linde evenwel door de leiding van dit Belgisch Legioen voor zijn diensten bedankt. Die leiding, die nogthans niet erg hoog met de parlementaire democratie opliep, oordeelde dat Ter Linde door zijn aandeel in het ontstaan van de brochure La Belgique Loyale de koning had gecompromitteerd. Alors, il y a un autre silence qui, lui, n'a pas frappé certains milieux limités comme le premier, mais au contraire, la masse de la population, et que je considère comme étant réellement une des racines profondes de la question royale, c'est que, étant donné ce que le peuple belge en son ensemble attendait du souverain, on espérait de lui une protestation solennelle contre les déportations allemandes, une protestation contre toute une série d'aspects hideux de l'occupation. Aucune protestation n'a été entendue, et ce silence du roi, aux yeux d'un nombre réellement considérable de Belges cette fois, est apparu comme, on peut le dire, inadmissible. Er is trouwens ook nog het feit geweest van het huwelijk van de koning. Oui, c'est justement en liaison avec le mariage que ce silence est apparu comme inadmissible. Je crois que si le roi n'avait pas contracté le mariage que l'on connaît, il serait apparu simplement comme un prisonnier. Et par conséquent, qu'un prisonnier soit dans l'impossibilité de parler, eh bien, je crois qu'on l'aurait admis. Mais à partir du moment où le roi se mariait d'une manière qui
montrait qu'il était un prisonnier tout de même, pas tout à fait comme les autres, pas comme ceux qui étaient dans les camps de prisonniers en Allemagne, eh bien, de même qu'il avait profité de sa situation un peu spéciale pour contracter mariage, on considérait qu'il aurait pu en profiter aussi pour lancer une protestation solennelle, pour montrer sa solidarité aussi avec la résistance, montrer sa solidarité avec les Belges qui refusaient le régime d'occupation et le manifestaient, eux, par des actes de résistance. Et alors, cette abstention, ce silence du roi, en liaison justement avec le mariage, lui ont fait dans de très larges couches de l'opinion un tort immense. Het huwelijk van koning Leopold met mejuffer Lilian Baens, die door dit huwelijk prinses van Réthy is geworden, heeft aanzienlijke gevolgen gehad voor het verloop van de koningskwestie tussen 1945 en 1950. Hoe beoordeelt u de stelling van de tegenstanders van Leopold III, volgens welke de koning door te hertrouwen in afwezigheid en zonder de instemming van parlement en de regering de wet heeft overtreden? Oui, je crois que là, le respect de la loi a été sensiblement bousculé. Ne fût-ce que par la préséance qui est donnée au mariage religieux sur le mariage civil. Et d'autre part, il faut noter que c'est l'événement du parcours royal qui a été le plus perçu dans l'opinion publique. Des démarches telles que Berchtesgaden n'étaient pas connues, tous les problèmes, le projet de gouvernement qui a été à un moment plus ou moins concocté avec De Man au mois de juin 1940, n'était pas très connu, en tout cas dans les perspectives poursuivies par l'opinion publique, mais un fait qui a frappé l'opinion publique a bien entendu été ce mariage. Et pour certains d'ailleurs, ce mariage représente en quelque sorte le tournant dans les rapports du roi avec l'opinion publique, puisque d'une manière assez scandaleuse, après ce qu'il avait dit vouloir rester prisonnier, et par rapport aux prisonniers restés en Allemagne, il se comportait comme un particulier. Comme tout particulier, non pas comme un prisonnier. De ce point de vue-là, il faut effectivement noter que cela a créé un choc dans l'opinion publique. Dat heeft een diepe schok veroorzaakt bij een groot deel van de bevolking. Of schoon mensen na de oorlog gezegd hebben, wanneer het erop aankwam Leopold te verdedigen, dat hij tenslotte een vrij man was. Ik zie het niet zo. Een staatshoofd is zeker een mens als een ander mens, maar heeft zwaardere verplichtingen. Hij was trouwens ook niet vrij, hè? Hij was krijgsgevangene. Hij was krijgsgevangene. Een krijgsgevangene, kan die op eigen beslissing in het huwelijk treden? Ik ken geen precedent. Mais il faut aussi dire que ce n'est pas le fait exclusif du mariage qui a été à la base de ce choc. Ce fait assez spectaculaire se greffait bien entendu sur tout un parcours qui remontait bien avant cela. Et je crois que ce parcours remonte, pour ce qui est de l'opinion publique, à 1940. Dans l'opinion publique, on peut dire qu'une grande majorité de gens ont convenu que la capitulation militaire représentait un fait nécessaire, qu'il fallait, la cause étant perdue, sauver des vies humaines. C'est incontestable. Mais déjà, et dès le début, et cela n'est peut-être pas suffisamment dit, il y avait dans un courant assez important de l'opinion publique, et il y avait d'ailleurs des exemples étrangers pour cela, en Hollande et en Norvège, des gens qui disaient: le roi devait capituler militairement, mais il devait représenter la poursuite de la lutte à l'étranger. À quoi se sont bien entendu ajoutées toutes les exactions de l'Allemagne, toutes les oppressions qu'elle a mises en œuvre, et en plus d'ailleurs, tout simplement, les phénomènes de faim, de misère qui se sont développés et qui ont fait que, dans un contexte d'une occupation allemande considérée comme insupportable, l'initiative particulière du roi est apparue comme particulièrement scandaleuse ou choquante pour une partie de l'opinion publique. Ja, maar het feit dat er honger is geweest en het feit van het optreden van de Duitsers in bezet België kan toch moeilijk aan de figuur van koning Leopold III worden toegeschreven. Oui, oui, mais bien évidemment. Mais il faut toujours, lorsqu'on analyse ou qu'on examine les problèmes historiques, se dire que les petits faits spectaculaires sur lesquels l'opinion peut se braquer, et terriblement à certains moments, ne sont pas des faits qui se déroulent tout seuls. Il faut aller voir quel est le parcours. Et lorsque des gens vivent en état de privation, lorsque des gens ressentent l'injustice, une initiative comme celle-là apparaît scandaleuse, peut-être pas tellement parce qu'elle est ressentie comme scandaleuse en soi,
mais parce qu'elle est scandaleuse dans un contexte considéré comme impératif. Ook het Duitse militaire bestuur te Brussel verstrekte commentaar bij het huwelijk van koning Leopold en Lilian Baans. Het oordeel van de Duitse militairen vertolkte zeer goed de mening van een groot gedeelte van de Belgische openbare mening. Reeder schrijft in een van zijn rapporten aan het opperbevel van het landleger dat het huwelijk als een schok gewerkt heeft. Want, zegt hij, er gaan twee mythen verloren. De mythe van de ontroostbare weduwnaar en de mythe van de krijgsgevangen officier die geïsoleerd leeft. Het nieuws van het burgerlijk huwelijk werd pas de 6 december 1941, dus bijna 3 maanden na het kerkelijk huwelijk, via een herderlijke brief van kardinaal Van Rooij openbaar gemaakt. Quelle influence a eu le cardinal Van Rooij sur le roi Léopold pendant la guerre? Très considérable et très fréquente et consultée souvent et une influence qui était très stabilisante, une influence solide. Il y a eu, à mon avis, peut-être une erreur, c'est que dans la mesure où il aurait pu lui donner le conseil à Léopold III de ne pas se marier pendant la guerre, politiquement, ça aurait peut-être mieux valu. Ça, c'est une opinion qui m'est personnelle. Chacun a le droit de se marier quand il veut et avec qui il veut. Seulement, je crois que politiquement, c'était une erreur, quelles que soient par ailleurs les qualités et le courage d'ailleurs qu'a eu Lilian Baals pendant la déportation. Ça, c'est un autre problème, mais je crois que c'était politiquement une erreur. Le mariage, vous l'avez appelé une faute grave. Une faute politique, oui. Une faute politique grave. Oui, oui. Pourquoi? Mais parce que, rappelez-vous que le roi, Léopold III, avait déclaré... Je partagerai votre sort à ces soldats lors de sa proclamation à la capitulation. Je partagerai votre sort, ça n'a pas dit sens. Bien. Le sort de ces soldats est d'être notamment plus de 60 000 prisonniers en Allemagne, donc privés de leurs femmes, de leurs petits amis ou de leurs fiancés. Bon. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils voient ces prisonniers? Ils voient que le roi épouse une très jolie femme. Eh bien, moi je vous dis en termes directs, simple, clair, que ça va provoquer un ressentiment d'ordre sexuel, d'ordre érotique, d'ordre profond vis-à-vis de Léopold III dans une partie de ses milieux. Et que c'est normal, et que c'est donc une faute politique grave. À ce point de vue-là, pas à d'autres, mais à ce point de vue-là. Bij de capitulatie van het Belgisch leger heeft koning Leopold aan de officieren en soldaten van het Belgisch leger verklaard dat hij hun lot wilde delen. Heeft de koning volgens u deze belofte gehouden? Oui, il a fait une double déclaration. Il a dit qu'il voulait partager leur sort, et d'autre part, il a aussi dit remettons-nous au travail, ce qui implique un contexte de soumission au destin. Alors, pour ce qui est de partager leur sort, il y a matière à discussion, puisqu'il a partagé leur sort en retournant chez lui, c'est-à-dire au château de Laeken, là où eux étaient placés dans des camps de prisonniers. Deuxième élément, au cours de la guerre, il a quand même fait, il s'est tout de même trouvé dans des situations très différentes d'un prisonnier militaire. Il a fait des séjours, disons, de détente ou de vacances, soit dans les Ardennes, soit à la côte. On l'a retrouvé en Autriche. Et d'autre part, bien entendu, il s'est marié et non par procuration. Ce qui, comme vous le savez, a créé une irritation très nette dans l'opinion publique, notamment dans toutes les familles de soldats prisonniers, qui considéraient qu'il y avait là une manière singulière de partager le sort des soldats. Léopold III a fait en 1941 des voyages en Autriche et en Allemagne, officiellement pour aller consulter des médecins, entre autres un dentiste. Ces voyages avaient-ils, à votre avis, aussi un but politique, étant donné que, selon Victor Larocque, au Parlement belge après la guerre, le roi y a rencontré le comte Kuhn, un des chefs de file de la S1. Le roi n'a jamais beaucoup eu d'imagination pour expliquer ses déplacements. C'était toujours des maux de dents. Il faut croire qu'il a une denture dans un état détestable.
C'est comme ça qu'il avait déjà été en Angleterre quelques jours avant la dévaluation pour soi-disant faire soigner ses dents. Il a été en Allemagne de la même façon. Léopold a eu des relations vraiment très intimes avec notamment le colonel Kivitz, qui me l'a raconté lui-même. Son gardien, disons. Son gardien, mais c'était un drôle de gardien, c'est un ami intime, un confident, à qui on disait les choses même les plus pénibles sur la vie privée de la famille royale. Ça faisait de la peine d'entendre raconter ça. Alors, ces voyages en Allemagne, c'était bien étrange. Me faire croire qu'il n'y a pas un seul dentiste convenable en Belgique, c'est pas très flatteur pour la corporation des dentistes. Et c'est très étrange pour le mauvais état de sa denture. Et même s'il avait eu mal aux dents, ben, il fallait encaisser le mal de dents et ne pas aller chez les Allemands se faire soigner à une époque pareille. Luidens de Leopoldistische versie over de houding van de koning zou Leopold III zich tijdens de bezetting van elke politieke activiteit hebben onthouden. Enkel reeds hetgeen voorafgaat kan als weerlegging van deze versie gelden. Maar er is meer. De ganse bezetting door bleef de koning de regering Pierlot te Londen negeren, ook wanneer in 1944 duidelijk was dat zij aan de zijde van de toekomstige overwinnaar stond. Meneer de gouverneur, u was hier als inlichtingsagent in België. Waarin bestond dan uw taak? Wel, dus eerst en vooral de militaire inlichtingen. Het kwam erop aan van de oorlog te winnen. En dan ten tweede een speciale opdracht die ik van de eerste minister gekregen had en die ik volbracht heb in samenwerking met anderen, was van te weten welke precies de algemene politieke lijn was van de koning en vooral ervoor zorgen dat moest die politieke lijn gewijzigd worden, er een verzoening zou komen tussen de regering en de koning. En dat was het hoofddoel. Dat koning Leopold de hele bezetting door de Belgische regering te Londen geen enkel gezag toekende, blijkt benevens uit andere vaststaande gegevens ook uit naoorlogse getuigenissen van twee vooraanstaande die weliswaar wegens collaboratie werden veroordeeld, maar wier trouw aan de koning moeilijk kan betwijfeld worden. In een nota van Hendrik de Man van de 16e november 1946, die niet voor publicatie was bestemd, schreef de gewezen voorzitter van de Belgische Werkliedenpartij dat de koning tegenover hem tot hun laatste gesprek tijdens de herfst van 1941 de Belgische regering te Londen elk gezag ontzegde. De tweede, toen evenmin voor publicatie bestemde getuigenis, is deze van de VNV'er Gérard Homsé, die in augustus 40 tot gouverneur van Limburg en in april 41 tot secretaris-generaal voor Binnenlandse Zaken werd benoemd, telkens met de steun van het Duits militair bestuur. Maar niet enkel met deze steun. In een brief aan een medegevangene in de gevangenis de Sint-Gilles schreef Romsé in december 48, wij halen aan: indien de politiek van Laken er niet waren geweest, zou ik de functies die ik bekleed heb niet hebben aanvaard. En zou ik niet erin hebben volhard de wettelijkheid van de regering te Londen te betwisten. Einde van de aanhaling. Het wezen onderstreept dat niet alleen de man, maar ook Romsé geregeld met het Hof in contact stond. Dat Leopold III tot het einde van de oorlog toe geweigerd heeft de regering Pierlot als de wettige regering te erkennen, blijkt uit verscheidene voorvallen, namelijk, bij wijze van voorbeeld, uit La fin de non-recevoir, zoals men dat in het Frans zegt, dat de zending de kinder te beurt viel, en eveneens uit het politiek testament van Leopold III. Misschien kunnen we even situeren wat die zending de kinder was en wat het politiek testament betekent. Hier. Zending de kinder dient gesitueerd te worden in de politiek van de regering Pierlot in Londen, die ik gedurende gans de bezetting gesteund heb. Alles in het werk stellen om de verzoening tot stand te brengen tussen de koning en de regering, en zo vlug mogelijk, en in alle geval bij de bevrijding van het land. De zending de kinder... December 1943 is een laatste poging om van de koning te bekomen
dat die verzoening in het openbaar zou bezegeld worden bij de bevrijding. Of tenminste zo vermoord. Wel nu, die poging is mislukt. Hè? François de Kinder was niet enkel een schoonbroer van eerste minister Pierlot, maar ook een vooraanstaand zakenman. Hij was einde 42 te Londen aangekomen met als opdracht de betrekkingen tussen de Belgische regering en de militaire verzetsgroepen in bezet België te verbeteren. Einde 43 werd hij door de regering Pierlot met een geheime opdracht naar bezet België teruggestuurd. De Kinder droeg bij zich een uitvoerige brief van de 3 november 1943, ondertekend door de ministers Pierlot, Spaak, Delfosse en de schrijver. Uit deze brief bleek duidelijk dat de regering Pierlot opnieuw toenadering tot de koning zocht. Maar ze vroeg tevens de koning dringend erom van zodra hij opnieuw politiek zou kunnen handelen, 4 stellingen in een boodschap tot de bevolking nadrukkelijk te bevestigen. Deze stellingen waren: België is sinds de 28e mei 40 steeds in oorlog met Duitsland gebleven. België zal in nauw overleg met de geallieerden deelnemen aan de politieke en economische wederopbouw van de wereld. De Belgen die met de vijand hebben samengewerkt, zullen rechtvaardig gestraft worden. De orde in België zal worden hersteld met eerbiediging van de grondwet en de grondwettelijke vrijheden. Het laatste punt was een duidelijke toespeling op geruchten als zouden sommige kringen na de bevrijding een militaire dictatuur willen tot stand brengen, waardoor ook de macht van de koning zou uitgebreid worden. Tevens vroeg de regering dat de koning zich van sommige van zijn medewerkers zou ontdoen die volgens de regering al te zeer in de Duitse overwinning hadden geloofd. Namen werden niet genoemd, maar het leidt geen twijfel dat onder andere graaf Capelle en vooral generaal van Overstraat werden bedoeld. Deze brief van de regering Pierlot werd begin januari 1944 door de Kinder aan kardinaal Van Rooij overhandigd, die hem aan de koning bezorgde. Het antwoord van de koning werd opnieuw via de kardinaal aan de Kinder bezorgd. De Kinder seinde dit antwoord telegrafisch naar de Belgische regering te Londen door. Pierlot's schoonbroer zelf werd op zijn terugweg naar Engeland door de Duitsers in Frankrijk aangehouden en de 31 augustus 1944, enkele dagen voor de bevrijding van België, te Verdun terechtgesteld. Het antwoord van de koning was voor de Belgische regering te Londen ongetwijfeld een koude douche. De koning ging enkel in op het probleem van de handhaving van de orde na de bevrijding met eerbiediging van de grondwet en de grondwettelijke vrijheden. Uit de toon van het antwoord mag worden afgeleid dat koning Leopold dit verzoek als een persoonlijke belediging opvatte. Nooit, zo luidde de brief, heeft de koning het inzicht gehad de grondwet te schenden. Op de 3 andere punten, de bestraffing van de collaborateurs, de bevestiging dat België steeds in oorlog met Duitsland was geweest en de bereidheid tot samenwerking met de geallieerden, ging de koning niet in. Evenmin trouwens op het verzoek om zijn omgeving te zuiveren. Het was duidelijk dat koning Leopold nog steeds wrok tegenover de regering Pierlot koesterde. Zulks bleek ook nog ten overvloede uit het zogeheten politiek testament dat de koning tijdens diezelfde periode in januari 1944 dus beëindigd heeft. Dans ce testament, d'abord disons en deux mots de quoi il s'agit, c'est un texte que le roi rédige en janvier 44 au palais de Laeken et qu'il confie à de hauts magistrats pour que ceux-ci le remettent au gouvernement belge le jour où celui-ci reviendrait en Belgique. Et je crois que les conclusions qu'on peut dégager de ce texte sont multiples. Il y en a 2 essentielles. D'abord, que le roi n'a rien pardonné à ses ministres de ce qu'ils avaient fait en mai-juin 40, il n'a rien pardonné, rien oublié même, et il exige qu'il vienne au fond en chemise et la corde au cou, lui faire leurs excuses, qu'il fasse amende honorable. C'est un aspect. Deuxième aspect, c'est le fait que vis-à-vis des Anglais et des Américains,
le roi n'a pas du tout l'attitude qui est celle du peuple belge dans son ensemble, je parle des milieux patriotiques, pour les patriotes belges, les Anglais, les Américains, même les Russes sont les grands alliés, on les serre sur son cœur avant même de pouvoir le faire physiquement, comme on le fera à partir de septembre 1944. Le roi, lui, a une attitude tout à fait différente. On voit que pour lui, Anglais, Américains, il ne parle pas des Russes, parce qu'il pense à ceux qui viendront en Belgique. Anglais, Américains sont des étrangers, et par conséquent, il faut prendre à leur égard des précautions, parce que les intérêts de ces nations étrangères ne coïncident pas avec les intérêts de la Belgique. Et on peut presque dire que, c'est exagéré, mais enfin que dans le testament royal, Anglais et Américains sont mis un petit peu sur le même plan que les Allemands, ce sont des étrangers. Et là, je le répète, c'est tout à fait différent de l'attitude morale du peuple belge à l'époque. Voor mij is dat niet te verklaren. Behalve op volgende manier, dat sommige mensen die van de regering van Londen niets te verwachten hadden, de koning ertoe aangezet hebben zich op die wijze uit te drukken. Maar anders kan ik het niet verklaren. Het politiek testament waaruit blijkt dat de koning begin 44 nog altijd niet de zijde van de geallieerden koos. Ja, dat is te begrijpen, hè? Omwille van de neutraliteitspolitiek die hij voerde. Hè? En die rechtlenigheid van zijn politiek. Hè? Ja, maar begin 44 voelden we met zijn ellebogen hoe het zou uitdragen. Ja, maar luister eens, niet waar? De koning zag veel verder. Hè? Hij zei, luister eens, een geval van overwinning van de geallieerden. Dat is niet alleen Groot-Brittannië en Frankrijk. Groot-Brittannië, maar dat is ook Amerika, niet waar? En de Britse komen wel, komen het erop aan van onze zelfstandigheid en onafhankelijkheid ten opzichte van de zogenaamde geallieerden ook te waarborgen. Ik vermoed dat het een bezorgdheid was. Oh ja, mijn vraag nu, meent u dat deze houding een uiting is van Leopolds geloof in of hoop op een compromisvrede in het Westen? De hoop op een compromisvrede heeft lang bestaan bij de koning en bij vele anderen ook trouwens. Maar op dat ogenblik denk ik niet dat hij zich nog een compromisvrede verwachtte. Einde 43, ik denk het niet. Waarom zou hij dan, laten we zeggen, de kinder onverrichter zaken terugsturen? Waarom zou hij zijn politiek testament nog steeds geen uiting geven aan zijn, laten we zeggen, neiging tot samenwerking met de geallieerden? Waarom zou je dat dan wel gedaan hebben? Omdat hij zich vasthield aan de politiek die hij gedurende 3 vorige jaren gevolgd had. Die rechtlijnigheid, de neutraliteit. Door niemand gebonden worden. Je crois que ce testament est une indication de la courbe que dessine la politique de Léopold III. Il part de l'idée d'une réforme de la démocratie par l'application meilleure de la Constitution, qui est son idée maîtresse d'avant mai 40. Il passe par la crise, c'est une véritable crise morale, n'est-ce pas, qu'a connue une partie de l'élite politique belge au cours de l'été 40, la perte de la foi dans la démocratie, car c'est bien ça, et l'idée qu'un ordre nouveau est nécessaire. Et puis, comme aussi d'ailleurs la plupart de ceux qui avaient nourri ces plans en 1940, au cours de l'été 1940, constatant, comme on pouvait le faire sous l'occupation, que l'ordre nouveau, les régimes forts, c'était encore pire, et beaucoup pire que tout ce qu'on avait pu connaître comme abus de la démocratie ou de la particratie, il revient au début 1944 à l'idée d'une démocratie renforcée et assainie. Ook de koning is dus op zijn stappen teruggekeerd. Oui, je crois que, et là, si vous voulez, sur ce point-là, il a au fond suivi la courbe d'évolution de beaucoup d'autres Belges. Beaucoup, c'est exagéré, mais enfin d'un nombre assez significatif de Belges du monde politique. Alors que sur d'autres points, ce qui a été à l'origine de la question royale, c'est au contraire le fait que le roi a eu des réactions différentes
de celle d'une grande partie de la population. Sur ce point, sa courbe, si vous voulez, est celle non pas du peuple belge, parce qu'on ne peut pas dire que le peuple belge, durant l'été 1940, a voulu l'ordre nouveau. C'est tout à fait faux. Mais il est évident que dans le monde politique dirigeant, cette idée a eu tout de même un nombre significatif d'adeptes. Et alors, si l'on pense à ce monde-là, la courbe du roi est au fond une courbe qui correspond à celle de ces gens-là. In het politiek testament van koning Leopold kwam ook geen woord van dank voor het verzet voor. En nochtans werden door verzetslui verscheidene pogingen ondernomen om de koning nog voor de landing van de geallieerden uit het paleis te Laeken te ontvoeren en hem althans symbolisch aan het hoofd van het militair verzet te plaatsen. Zo werd Albert Melo, een kozijn van 's konings secretaris Capelle, de 9 april 1944 vanuit Londen in België geparachuteerd. Hij koesterde het plan de koning uit het paleis te bevrijden. Melo had hierover te Londen met eerste minister Pierlot gesproken, die hem veel succes had toegewenst, maar hem toch geen regeringsopdracht ter zake had willen geven. Einde mei 1944 legde Melo aan een lid van de omgeving van de koning een gedetailleerd ontsnappingsplan voor, maar hij vernam na de oorlog dat de koning hiervan zelfs geen kennis had gekregen. Eveneens in mei 1944 begaf de socialistische vakbondsleider Achille Van Acker zich naar de kabinetchef van de koning. Ook Van Acker stelde voor dat de koning zou onderduiken, maar hij kon slechts vernemen dat de vorst hierop niet wenste in te gaan. Waarom heeft naar uw mening Leopold III steeds geweigerd in te gaan op de talrijke voorstellen die hem gedaan werden om het paleis te Laeken te ontvluchten en de leiding van het verzet te nemen? Die voorstellen ken ik niet. Maar in alle geval zou ik nooit een dergelijk voorstel gedaan hebben. Die zijn er geweest, hoor. Naar het schijnt. Maar die ken ik niet. En in alle geval zou ik ze nooit gedaan hebben. En waarom zou u dat nooit gedaan hebben? Omdat het nutteloos was. Hè? Waarom? Hij zou zeker daar niet op geantwoord hebben. Hij zou geweigerd hebben. Hij wenste niet de leiding van het verzet te nemen, volgens u? Ik denk het niet. Trouwens, ik denk niet of een dergelijke beslissing efficiënt zou geweest zijn. Misschien nee, als hij naar Londen zou overgebracht geweest zijn, dan dat zou... Dat is ondenkbaar. Nee, voor mij was dat ondenkbaar. Om hem naar Londen over te brengen? Nee, voor mij was dat ondenkbaar, omdat het niet in de lijn lag van zijn politiek. Hè? À votre avis, quelle a été la politique de Laeken? C'est une question très difficile. Je ne suis pas en mesure de dire exactement ce qui a pu se passer dans l'esprit du roi, ni les relations qu'il a pu avoir à mon insu. Mais vous l'avez vous-même défini dans un article d'après-guerre, dans ce sens suivant. Aucun doute n'est possible. Au moins pendant 2 ans, de septembre 40 à décembre 42, le roi des Belges ne partagea nullement les vues du pseudo-gouvernement de Londres qui ne reconnaissait pas. Il se prépara discrètement aux conséquences éventuelles d'une paix de compromis qu'il souhaitait. Il fut défavorable à la résistance active, favorable à la politique de présence et de conservation. Ce sont vos propres mots. Mais parfaitement, c'est-à-dire sont les éléments qu'on me donnait et les conclusions que j'en tirais. Disposez-vous d'une preuve concrète de ce que le roi était défavorable à la résistance active, Monsieur Poulet? La presse léopoldiste et le nouveau secrétaire du roi, Jacques Pirenne, ont pourtant, après la guerre, dépeint le roi comme le premier des résistants. Oui, preuve, je ne sais pas ce que vous appelez une preuve concrète, mais il est bien clair que tout ce qui m'a été dit et les approbations qu'on a données aux interprétations que j'ai faites moi-même dans mes articles prouvait que l'on était opposé à la résistance armée, étant donné qu'elle était contraire au lieu de la guerre et qu'elle risquait de provoquer une sorte de guerre civile qui se serait prolongée d'une façon tout à fait dangereuse. Ça ne faisait aucun doute dans mon esprit à ce moment-là, et tout ce qu'on me disait là-dessus le confirmait. Je ne peux pas vous apporter une preuve concrète qui serait, je ne sais pas quoi, une déclaration du roi faite dans un magnétophone, mais je ne peux que vous répéter ce que peut répéter un témoin. Het bekend worden van koning Leopold's zogeheten politiek testament
heeft zeker niet bijgedragen tot de verbetering van de verhouding tussen de inmiddels naar Duitsland weggevoerde koning en de uit Londen teruggekeerde regering Pierlot. Ook de Britten, tot wie het testament was gericht, waren er allesbehalve gelukkig mee. De koning eiste namelijk van hen dat zij na de verwachte invasie in het Westen de volledige zelfstandigheid van België zouden waarborgen. Aan Hitler had de vorst in november 40 echter, zij het met enige aandrang, gevraagd of de Führer België tenminste een beperkte zelfstandigheid wilde toekennen na de verwachte Duitse overwinning. Stof tot enige opwinding was er bijgevolg dus genoeg. Hoe oordeelt u over de opportuniteit van het politiek testament? Mijn persoonlijke mening is dat het inopportuin was van de overhandige en de omstandigheden waar we in leefden bij de bevrijding van België door de verbonden legers. Nochtans had onze bevolking haar bevrijding aan die verbonden legers te danken. Overlord, de aanval op bezet Europa, na 4 jaren het lange verwachte begin van de bevrijding. Uit de lucht en van op zee overviel een nooit geziene armada op de kust van Normandië een totaal verraste Duitse weermacht. Die had de landing inderdaad niet in Normandië, maar in het nauw van Calais verwacht. Daarom waren daar de Duitse strijdkrachten en de Atlantikwal geconcentreerd. Voorafgaande geallieerde afleidingsmanoeuvres hadden daartoe gevoelig geholpen. Zelfs na de landing bleven hoge Duitse officieren eraan twijfelen of het strijdtoneel Normandië zou zijn. Daardoor kwam de Duitse militaire machine slechts hortend en stotend op gang. Werden de geringe reserves niet tijdig ingezet, bleven de tanks staan waar ze in het binnenland stonden en werd de landing een succes. D-Day betekende het overbrengen van 185.000 man en 20.000 voertuigen voor de eerste aanvalsgolven om de komst van 2 miljoen man, 500.000 voertuigen en miljoenen tonnen voorraden en voedsel mogelijk te maken. Britten en Canadezen konden dankzij hun gespecialiseerde panzervoertuigen voor het opruimen van versperringen en mijnen snel landen en tegen de middag al landinwaarts trekken op weg naar Caen en Bayeux en er het contact verzekeren met de tijdens de nacht gelande parachutisten. Hoe de Duitse soldaten zich ook inspanden, zij konden de massale aanval niet stuiten, ook omdat zij ter plaatse over geen vloot en geen vliegtuigen beschikten, hun radar was uitgeschakeld en hun communicaties ontwricht.
De Amerikanen hadden minder meeval. Generaal Bradley had de Britse gespecialiseerde panzervoertuigen afgewezen. Op Omaha Beach kon de Duitse sterkere verdediging de daar gelande Amerikanen op het strand vastzetten en zware verliezen toebrengen. 1000 doden, alleen al op dat kustgedeelte. Een ware afslachting tussen de hindernissen die bij gebrek aan uitrusting niet konden opgeruimd worden. Het zwakke bruggenhoofd van Omaha Beach had gemakkelijk een wel zeer kritieke situatie in het leven kunnen roepen. Maar gelukkig werden de Duitse reserve panzerstrijdkrachten door maarschalk von Rundstedt in het binnenland vastgehouden. De Duitse kustverdediging kon het daarom niet alleen klaren. Heel wat meer meeval hadden de Amerikanen op Utah Beach, waar ze praktisch geen tegenstand ondervonden en geen verliezen leden. Van hieruit kon de verovering van de havenstad Cherbourg in het noordwesten beginnen. In de landingssectoren Gold Beach, Juno Beach en Sword Beach waren de Engelsen en Canadezen zonder al te grote tegenstand en zonder verliezen geland en rukten ze meteen het binnenland in. In de opening tussen Juno en Sword lanceerden de Duitsers weliswaar hun enige grote tegenaanval, maar hun panzergevechtsgroep maakte rechtsomkeer toen Britse versterkingen werden aangevoerd. Want was de landing één grote chaos, dan verkeerden de Duitsers in een nog veel grotere verwarring, geschokt door het geweld en de omvang van die grootscheepse, die reusachtige aanval. Tegen de avond hadden de geallieerden vaste voet aan wal gekregen en kon de bevrijding van de door de Duitsers bezette gebieden beginnen. De koning heeft zijn politiek testament opgesteld omdat hij sedert 1943 wist dat de Duitsers hem bij een geallieerde landing in het westen naar Duitsland zouden wegvoeren. De 7e juni 1944, daags na de landing in Normandië, gebeurde dit ook. Hitler wilde zijn koninklijke krijgsgevangenen niet in handen van de vijand laten vallen. De vraag is gesteld geworden of de wegvoering in de plannen van de koning paste. Na de oorlog verklaarde eerste minister Van Acker in het parlement dat de koning bij de bevrijding niet in het land wilde zijn en dat wegvoering de vorst niet ongelegen kwam. Dr. de Jonge, volgens de anti-Leopoldistische versie, want daar mogen we het wellicht ook wel eens over hebben, was de wegvoering van koning Leopold naar Duitsland de 7e juni 1944, daags na de geallieerde landing, en met de Duitsers opgezet spel om zijn sterk gedaald prestige ten gevolge van zijn huwelijk en zijn houding gedurende bezetting te herstellen, en wenste de koning de kroon van politiek martelaar. Hoe reageert u daarop? In zijn grote reden van 20 juli in de Kamer 1945 heeft de toenmalige eerste minister Van Acker gezegd dat de wegvoering van de koning zo niet vrijwillig door hem aanvaard werd, zo niet door hem uitgelokt. En hij steunt zich daarbij op het getuigenis van een vriend van de koning, van Stralen. Ik zou hier willen tegen aanvoeren dat het getuigenis van Van Stralen, een enig document, niet bevestigd wordt door de Duitse documenten betreffende de voorgeschiedenis van de wegvoering. En ik geef hier heel in het kort de data. Na het invoeren van de verplichte tewerkstelling protesteert de koning schriftelijk bij Hitler, rechtstreeks en onrechtstreeks, in november, december 42 en januari 43. Antwoord van Hitler: indien je dat herhaalt, staat u te wachten wegvoering naar het buitenland. En Hitler deelt hem dat mede? Hitler deelt hem dat mede. Er is een generaal speciaal naar Brussel gekomen om staande dat stuk voor te lezen. Hij is nooit aan de koning overhandigd geworden. Beschreven is 15 februari. 43. 7 juni. 43. Steeds 43. Onderhoud Hitler. Uit het notitieboekje van Himmler dat bewaard gebleven is, blijkt dat onder de rubriek Polizeiliches, dus politioneel aangeleden, de Belgische koning ter sprake is gekomen. En ik ga nu naar het kapitale moment. De 25e juli, val van Mussolini. 25 juli 1943, val van Mussolini. Dus het einde
van de Italiaans-Duitse alliantie. Hitler verneemt dat en gedurende de bespreking in het Führerhauptquartier spreekt hij harde woorden uit aan het adres van de koning. En ik lees ze nu voor. Ik weet niet of mijn vertaling precies weergeeft de hardheid van de woorden. Nu heel die Jan Boel in het honderd loopt. Hij bedoelt Italië. Die Jan Boel. Die Jan Boel, dat is de Jan Boel in Italië, de terugvallen van Mussolini. Nu heel die Jan Boel in het honderd loopt, hoef ik ook de Belgen niet meer te ontzien. Dan kan ik ook die koning, in een andere verse staat er die kerel, onmiddellijk doen wegvoeren, afvuren. En sluit ik de hele familie op. Die tweede bedreiging is al veel duidelijker dan de eerste. En nu, 5 dagen later, 30 juli. 30 juli vertrekt uit het hoofdkwartier van de Führer een geheime telex. Met bestemming Falkenhausen als militair bevelshebber. En een andere van Himmler met bestemming Jungklaus, de vertegenwoordiger van Himmler te Brussel. Daar staat in dat beide namens de Führer opdracht krijgen met alle middelen te beletten dat de koning zou ontsnappen. Beiden worden persoonlijk verantwoordelijk gesteld. Men ziet dus uit al die teksten is de wegvoering van de koning een Duits opzet. Maar er is veel meer. Wie aanvaarde zo dat de wegvoering van de koning een stukje komedie zou geweest zijn? Die ontsnapt niet aan de vraag, was Himmler het daarmee eens? Ik moet u zeggen, mijn antwoord is beslist nee. Want de verhoudingen tussen Himmler en de koning waren reeds in 1942, ik zeg wel in 1942, van die aard, dat Himmler en Hitler er nooit toe zouden bereid geweest zijn de koning een dienst te bewijzen met de komedie van de wegvoering. En ik heb hier uit zijn Tischgesprekken, de bekende tafelgesprekken van Hitler, eigenlijk zijn het monologen, enkele teksten opgetekend. Niet minder dan 5 maal in het jaar 1942 valt Hitler uit tegen de koning. En hoe? 27 februari 1942. In België, zegt hij, is er der vermaledeite koning, de verdomde koning, had ook hij maar de plaat gepoetst. Zijn mooie vriendin zou ik de toelating gegeven hebben hem te gaan vervoegen. 28 maart 1942. Hitler verklaart zich verheugd dat de koningin van Nederland het land verlaten heeft. En niet, ik citeer, zoals voor de koning der Belgen het geval is, door haar aanwezigheid een factor vormt waarmede men rekening moet houden. Keer het om, de aanwezigheid van de koning is een factor waarmede Hitler moet rekening houden. 16 augustus 1942. Indien ik ooit een antipathiek wezen heb ontmoet, dan is het de Belg. Die Leopold is een fameuze schelm, sluw als een vos. Wij zitten er thans mee opgescheept. Wat hem betreft hebben wij in 1940 een grote dwaasheid begaan. Ik had hem als krijgsgevangene moeten behandelen. Maar ja, er was zijn zuster, Marie-José, de kroonprinses van Italië. Een traagje toestand is voor haar dat zij, de enige sympathieke vrouw aan het Italiaanse hof, er moreel mishandeld wordt. Het is dus duidelijk dat de koning Leopold sinds 1942 bij Hitler niet meer op een goed blaadje stond. De wegvoering van de vorst naar Duitsland gebeurde inderdaad op bevel van Hitler en Himmler. Pas nadien kon Hitler tot de vervanging van het Duits militair bestuur te Brussel door een ander bezettingsregime overgaan. Door de vestiging van dit nieuw burgerlijk bestuur, dat nu rechtstreeks van Hitler afhing, lag de weg open naar de annexatie van België in de vorm van een Rijksgouw Vlaanderen en een Rijksgouw Wallonië. Maar aan deze Duitse droom zouden de geallieerden al gauw een einde maken. In ons volgend programma zullen wij de eerste jaren van de naoorlogse koningskwestie behandelen. Deze is pas voorgoed begonnen nadat koning Leopold in mei 1945 door de Amerikanen uit Duitse gevangenschap was bevrijd.
Reeds van dat ogenblik af was het duidelijk dat de koningskwestie door de politieke partijen zou beslecht worden. Daarbij kwamen zowel communautaire als ideologische tegenstellingen aan het licht. Het spreekt vanzelf dat het omstreden optreden van koning Leopold tijdens de bezetting in de naoorlogse koningskwestie een grote rol heeft gespeeld. De figuur van de koning, die nog tot 1950 in Zwitserland verbleef, werd immers meer dan eens gemengd in de debatten die tijdens de processen van vooraanstaande in de collaboratie werden gevoerd. Zulks was ook het geval tijdens het proces tegen de journalist Robert Poulet, die van 1940 tot 1943 hoofdredacteur van Le Nouveau Journal was en die de volgende keer hierover, we mogen wel zeggen, opzienbarende zaken zal vertellen. Nog een goedenavond en tot volgende maand.